Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision. C'est sur la 2, naturellement, et c'est seulement sur la 2. Cette émission est attendue toutes les deux semaines, tous les dimanches, un dimanche sur deux, sur Canal 2 International. Ce soir, nous honorons le rendez-vous avec un sujet au cœur de l'actualité, le débat sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Vous l'avez appris certainement en semaine, il y a eu cette friction entre autorités administrative et autorité communale dans la commune de Ndjombe Pendja au sujet de la pouzzolande, la carrière pouzzolande qui fait problème. La mairie estime qu'elle doit pouvoir récolter quelques fonds pour organiser la commune. L'administration estime que c'est le pouvoir de l'État. Et pour discuter de cela, nous avons appelé ici une des voix les plus autorisées pour l'évoquer. C'est Paul-Éric Kingé, le maire de Ndjombe Pendja, qui est bien installé sur ce plateau pour que commence le Hot et le Hard Interview. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir, Audric. Surtout, bonsoir à tes téléspectateurs. Vous êtes conscient, monsieur le maire, que cette émission est attendue. Depuis que nous l'avons annoncée sur les réseaux sociaux, nous avons noté cette montée d'adrénaline. Est-ce que vous avez perçu ça? Bon, personnellement, je ne gère pas la température des émissions ou alors des émissions dans lesquelles je dois passer. Ce que je sais, c'est que quand vous m'invitez, il faut que j'honore, bien évidemment. Il y a beaucoup de temps, n'est-ce pas? Vous avez cherché à m'avoir sur votre plateau. Ça fait au moins 2 ans. J'arrive pas à trouver du temps. Et vous êtes à Yaoundé aujourd'hui. Vous avez accepté notre invitation. Vous êtes resté tard à Yaoundé ce dimanche pour nous. Merci, nous vous en savons gré. Bon, c'est pas tellement pour vous, c'est pour les Camerounais, parce que vous savez, je souhaite que cette émission soit une émission pédagogique, qu'elle permette aux gens de comprendre, qu'elle soit moins polémique, parce que en réalité, il faut qu'au sorti d'une émission comme celle-ci, que les gens comprennent pourquoi il y a des problèmes entre la commune de Pendja, les exploitants de carrière, le ministre des collectivités territoriales décentralisées. Donc voilà, donc, je souhaite que mes contradicteurs permettent, n'est-ce pas, aux Camerounais de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cette histoire. Puisque vous évoquez les contradicteurs, le principal contradicteur ce soir, c'est Henri Séverin Assembé, expert des questions de décentralisation. Il est le promoteur du programme supérieur de spécialisation en finances publiques. Mais à côté de lui, il y a la partie d'interview qui fait le charme, qui rentre dans l'ADN de la reine. Et cette partie est conduite par deux confrères de la presse nationale et moi-même pendant 2 heures d'horloge. J'accueille ici Denis Omar. Bonsoir, bienvenue. Rodrigue, bonsoir. Merci de m'avoir convié à cette émission. Bonsoir, merci monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. J'espère que nous aurons de beaux échanges qui permettront aux Camerounais de bien comprendre ce qui se passe dans la décentralisation. Journaliste dans plusieurs médias dans le passé, maintenant un peu en retrait, mais vous avez su garder votre veuve, vos grandes capacités d'intervieweur. Oui, le journalisme, c'est un métier qu'on a dans la peau et qui est un métier ouvert à beaucoup d'autres expériences dans la vie. Malgré ces expériences-là, je n'ai rien perdu de ce que j'ai appris à l'école. Eugène Chema, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue à la reine. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je signale que vous êtes journaliste à Journal du Cameroun, journal en ligne, un des plus anciens de l'espace médiatique camerounais, édité depuis autour de 2005, si mes souvenirs sont bien. 2008 précisément. Par Yogam Communication. Oui. Bon, édité au Cameroun par une société qui s'appelle Dano Communication, mais c'est la propriété de Yogam, comme vous l'avez dit. Et c'est depuis 2008. Merci, chers confrères. Je voudrais, avant de commencer cette émission, avoir une pensée pour Pius Ndiaye. Ça fait 10 ans qu'il est décédé du côté des États-Unis. Nous sommes le 12 juillet. C'était le 12 juillet 2010, des suites d'un accident de la circulation. Ce matin même, la rédaction du Messager a organisé une sorte de messe de requiem, 10 ans après, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de ce baobab de la presse camerounaise. Nous y reviendrons naturellement au cours de nos éditions du journal de Canal International. Puisque le décor est campé, je vous propose de traverser la première bande de cette émission. Son titre est tout illustratif. «
Alors pour Eric Kingé, on a vu ces images défiler au cours de la semaine à la télévision. On a lu des tonnes d'articles de presse sur le sujet. On vous a vu sur le terrain, presque en poignant des gendarmes, en tout cas pas gentils vis-à-vis d'eux. Est-ce que vous pouvez en quelques, au passer au laser, ce qui s'est passé, nous rappeler en passant au laser ce qui s'est passé à Djombé Pendja mercredi jeudi dernier. Oui, Rodrigue, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette question. Je voudrais apporter un petit correctif. Hein. Quand les gendarmes étaient sur le terrain, je n'étais pas là. Donc j'étais entre Boumnievel et Déa, en partance pour Yaoundé. Mais mes vaillants adjoints étaient sur le terrain, parce qu'il faut le dire aux Camerounais, j'ai 4 adjoints. La commune de Pendja ayant 35 conseillers a 4 adjoints, parce que c'est une des communes situées entre les communes qui comptent 101 000 habitants, à partir de 101 000 habitants en montant. Parce que pour avoir 4 adjoints, il faut compter au minimum 101 000 habitants. C'est ça la répartition légale en la matière. Maintenant, maintenant que j'ai fixé, j'ai remis les choses à leur place, j'ai suivi, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Djombé Pendja comme tout le monde. J'étais dans mon véhicule en partance pour Yaoundé, parce que j'étais en mission pour Yaoundé, et on m'a appelé pour me dire qu'il y a des empoignades, n'est-ce pas, dans les carrières de Djombé Pendja. Il faut dire que quelques heures avant, j'étais déjà passé sceller les carrières de chez moi. Et c'est peut-être là que les problèmes ont commencé. Mais en réalité, je continue à me demander pourquoi est-ce que les problèmes devraient commencer si le maire décide, n'est-ce pas, de sceller ses carrières. Je voudrais dire que tout part de la redéfinition de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a été redéfini. Il est devenu l'État unitaire décentralisé. Ça veut dire qu'il a cessé d'être un État déconcentré. Quand on dit État unitaire décentralisé, il y a une nouvelle donne qui rentre en jeu. Les collectivités territoriales décentralisées. À partir de ce moment, le dirigisme que nous imposait l'État déconcentré vient complètement être effacé, complètement. Cela veut dire qu'à l'époque, c'est le gouverneur qui était fort, c'est le préfet qui était trop fort. C'est terminé à partir de la loi mère, la constitution, qui fait du Cameroun un État décentralisé. Unitaire décentralisé. J'ai entendu, vous savez, on est dans un pays terrible. Un pays où tout le monde se dit expert. Moi, j'ai entendu un expert à Vision 4 tout à l'heure exalter le rôle du préfet. J'ai envie de le renvoyer à l'école. Je suis choqué qu'on soit dans un pays où n'importe qui se lève, il dit qu'il espère de ceci, espère en cela, et machin. Eh bien, quand j'ai entendu ce monsieur, j'ai eu l'impression que ce pays recule parce qu'il y a des gens comme ça dans ce pays. C'est des gens qui doivent être en conformité. Il faut qu'ils fassent attention. Il faut que les gens apprennent à se cultiver. Vous comprenez? Il y en a qui font l'école pendant 10 jours. Après, ils entrent dans les restaurants, ils mangent le héros, ils ressortent là, ils vont faire 2 autres jours pour lire quelques livres, ils disent qu'ils sont experts. Mais on va pas lui répondre. Non, s'il vous plaît. Ici. Non, s'il vous plaît. On va pas lui répondre sur le plateau. Monsieur Rodrigue Tonguet, s'il vous plaît. Je dis que tout commence par là. Oui. Il faut d'abord comprendre que le rôle que jouait le préfet hier n'est plus le même aujourd'hui. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas dire qu'on est expert à la décentralisation. S'il vous plaît, j'ai pas fini. D'accord.
partir du moment où nous partons d'un État déconcentré à un État décentralisé, c'est deux statuts juridiques complètement différents. Maintenant, qu'est-ce qui change? Parce que ça, c'est ce que vos téléspectateurs doivent garder. Ce qui change, c'est que la mainmise trop forte de la tutelle, c'est-à-dire des préfets et des gouverneurs, est levée naturellement dans cette loi, dans le code général, portant décentralisation. Elle est levée en quoi? Article 73. Le rôle du préfet désormais est réduit en rôle du contrôle de la légalité des actes du maire. Moi, j'ai été maire. Le contrôle administratif aussi. Mmh. Maintenant, j'ai cet avantage d'avoir été maire avant. Au moment où j'étais maire avant, c'était pas ça. Le préfet avait un contrôle a posteriori et il avait un contrôle a priori. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et même le contrôle a posteriori du préfet aujourd'hui est davantage allégé. Je vais vous dire en quoi. Article 60, vous lisez entre les articles 74 jusqu'aux articles 79. Les conséquences, d'abord, commençons par l'article 73. Écoutez bien l'article 73. Les pouvoirs de contrôle sur les collectivités territoriales et leurs établissements sont exercés sous l'autorité du président de la République par le ministre chargé des collectivités territoriales et par le représentant de l'État dans la collectivité. Ce qui est important ici maintenant, allons-y. Alinéa 2. Les pouvoirs de contrôle mentionnés à l'alinéa 1 s'exercent à l'exclusion de toute appréciation d'opportunité du préfet. Et sous réserve des cas prévus à l'article 77, ci-dessous. Que dit l'article 77? S'il vous plaît, mon cher contradicteur, je vous donnerai le temps de parler, mais Il veut peut-être vous relancer. Au moment où vous êtes, monsieur le maire, est-ce que ce à quoi on a assisté cette semaine, vous lisez des textes sont normaux, est-ce que vous êtes en train d'appeler la plupart des maires à la rébellion contre les préfets? Parce que ce à quoi on a assisté, ce n'est pas la contestation des textes que vous voyez, ce sont des gens qu'on a vus refuser, n'est-ce pas, de discuter, même de respecter les décisions du préfet. C'est une quasi-rébellion. Vous voulez que je vous dise qui s'est rebellé contre qui? C'est le préfet qui s'est rebellé contre mon autorité. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en pleine décentralisation, c'est le maire qui est le patron de la commune. C'est lui qui est le patron de la commune. Monsieur le maire, en parlant... Je n'ai pas fini. C'est le maire qui est le patron de la commune. Mais maintenant, je vous ai dit... Le patron dans quel sens? Le patron, c'est-à-dire que c'est lui. Comme le chef d'État est le patron au Cameroun. Mais c'est lui, en pleine décentralisation. Tous les pouvoirs dont vous entendez parler, les compétences transférées, c'est-à-dire les compétences sur les écoles, les compétences sur la santé, les compétences sur ceci, les compétences sur cela, tous les services qui appartenaient encore jusqu'à hier, les services déconcentrés, la plupart de ces compétences sont renvoyées aux communes. Sans tuer le rôle des préfets. S'il vous plaît. Sans tuer du tout le rôle du préfet. Non, pas du tout. Le rôle du préfet reste, je vous l'ai dit, celui de représentant de l'État, chargé du contrôle de légalité. Et maintenant, je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle les conséquences du contrôle de légalité. Et voici ce que les effets du contrôle de légalité. Quand le préfet n'est pas d'accord avec une décision du maire, il n'a même pas la gendarmerie. La loi dit que article 77, les effets du contrôle. Le représentant de l'État porte à la connaissance de l'exécutif communal, par tout moyen laissant trace écrite, les illégalités relevées à l'encontre de l'acte ou des actes qui lui sont communiqués. Monsieur le maire, s'il vous plaît. J'arrive. En fait, il y a un souci, on est presque dans l'exégèse des textes, on ne va pas s'en sortir. Je voulais qu'on revienne. Non, je veux au moins ce que. Au début de l'action. S'il vous plaît, permettez aux Camerounais de comprendre ces affaires-là.
vous voulez dire aux Camerounais qu'on va gérer le Cameroun maintenant par nos coutumes, le contre-fascine, comme on dit chez les Bamileke, là, alors là, ce ne sera plus un État. On doit, le Cameroun est une république avec des lois, et on doit respecter les lois, qui qu'on soit, qui qu'on est. Alors, on dit que lorsque le maire a posé un acte qui n'a pas l'approbation du préfet, le préfet doit le saisir et lui notifier les illégalités qu'il a relevées dans l'acte du maire. Voyez-vous, quand le préfet parle d'un consamba, voilà, pour revenir au fait. Je suis pour revenir au fait. Quand le préfet parle d'un consamba, alors que la loi lui donne l'obligation qu'en cas d'illégalité commise par le maire, il doit plutôt lui écrire pour lui dire, je relève ci et ça. Je vais vous dire pourquoi j'insiste dessus. Parce qu'à la fin, vous verrez où est-ce que ça débouche. À la fin, vous verrez que ça débouche chez le juge administratif. C'est-à-dire que si le préfet n'est pas d'accord avec l'acte du maire, et il n'a même pas la gendarmerie sur le terrain, sur le territoire du maire, sinon, il est en train de défier l'autorité du maire. Parce que ce que vous ne savez pas, je voudrais le dire aussi, il faut que vous le sachiez aujourd'hui, ce qui m'a choqué lorsque j'ai entendu ce fameux expert de Vision 4. Non, on est à Canal 2 ici. Non, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. C'est une émission de Canal 2. Excusez-moi de prononcer le nom de l'un concurrent. S'il vous plaît. C'est pas ça le problème, c'est que on va pas faire la pub aux autres. La loi numéro 2004 /003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun, qui elle n'attend pas de texte d'application, dit ceci en son article 2. Le territoire camerounais est le patrimoine commun de la nation. L'État et les collectivités territoriales en sont les gestionnaires et les garants. Cher monsieur, pouvez-vous être gestionnaire de quelque chose que votre co-gestionnaire peut venir vous refuser de faire? Supposez que vous soyez, on dise que vous et vous, vous gérez une boutique. Pouvez-vous être interdit d'entrer dans la boutique par votre co-gestionnaire? Ce que cet expert n'avait donc pas compris, c'est qu'il, non, s'il vous plaît, c'est qu'il fallait. Nous avons des questions ici. Oui. Répondez à nos questions. C'est qu'il fallait. Monsieur le monde est dans les questions. Répondez à nos questions ici. On va pas s'en sortir. S'il vous plaît, vous risquez. Vous risquez. Non, on ne va pas répondre aux questions posées sur notre plateau. S'il vous plaît, permettez au maire de Pendja d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Des textes de loi qu'on peut avoir, monsieur le maire. Oui, on les a. Vous allez. On peut relire ces textes-là, mais nous avons des questions, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais que vous n'avez reçu aucune lettre du préfet? Vous allez. Pardon? Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais que vous avez reçu aucune lettre du préfet sur cette question? Aucune. Deuxième question, pour comprendre sur la question des carrières, aucune. Pour comprendre la genèse. Vous n'avez reçu aucune lettre sur la question des carrières. Monsieur le maire, pour la genèse. Au préalable, il y a une lettre qui n'avait rien à foutre avec la carrière. Où le préfet me faisait remarquer que votre comportement, machin, je lui ai dit qu'il n'est pas ma hiérarchie. Vous parlez quand même du préfet. Avec... Non, il n'est pas maillé. Non, écoutez. Monsieur le maire. S'il vous plaît, il faut que ce soit bien compris. Il y a une différence entre la tutelle et la hiérarchie. La tutelle, c'est un dispositif mis en place pour le contrôle. La hiérarchie, c'est des liens de subordination. Vous comprenez? Il faut que cela soit bien compris. Le préfet n'est pas le patron du maire. C'est compris, monsieur le maire. Le patron du maire, voulez-vous le savoir? C'est le peuple qui lui donne mandat et devant lequel il répond du mandat qui lui a été donné 5 années plus tard. C'est clair, monsieur le maire. Pour venir à la je souhaite que ce soit suffisamment clair. Bon, on avait insisté dessus déjà. Il n'y a pas d'objection. Okay, monsieur le maire, pour revenir à la genèse, parce que là, c'était quelque chose qui s'est passé après l'acte que vous aviez pris, notamment la pose des scellés sur cette carrière en question. Je vais un peu entrer en arrière. La loi sur la décentralisation est promulguée en décembre 2019. Vous êtes élu en février 2020, maire, et moins de 4 mois plus tard, vous allez poser des scellés sur cette carrière. C'est vrai que dans
les possibilités que vous pouvez avoir pour générer des revenus financiers dans votre commune. Il y a beaucoup, mais pourquoi spécifiquement cette carrière de Pouzolan? Pourquoi spécifiquement? Pourquoi être allé poser des scellés sur cette carrière? Pourquoi avez-vous choisi cette carrière de Pouzolan? Vous parlez de cette carrière ou bien les carrières? Cette carrière-là, pourquoi elle? Elle spécifiquement. Parce que c'est là-bas que sont concentrés tous les exploitants. Et pourquoi... Là-bas, c'est là-bas, on ne ferme que là où il y a les exploitants. Pourquoi voulez-vous voilà, pourquoi la carrière de Pouzolan cristallise autant d'attention? La carrière de Pouzolan, s'il vous plaît, la carrière de Pouzolan cristallise autant d'attention parce que l'article 390 du Code général sur les collectivités territoriales, c'est parmi les recettes des communes, les recettes des domaines, les recettes du domaine, les carrières font partie du domaine. C'est-à-dire qu'un maire qui arrive, le 9, le compteur commence déjà à tourner, il lui faut de l'argent. Maintenant, la loi lui dit, voilà là où tu dois aller chercher l'argent. Dites-moi pourquoi je dois aller chercher l'argent chez la femme du marché qui sort du champ et lui prendre 300 francs plutôt que d'aller prendre 50 000 francs à la carrière. Dites-moi pourquoi. Alors que la loi me dit que j'ai plusieurs ressources de carrière, de recettes. Dans les recettes 390, les recettes fiscales, les recettes du domaine et des services. Le domaine, les carrières font partie de ce qu'on appelle le domaine. Vous comprenez? Donc, en même temps, j'attends les recettes fiscales. En même temps, je dois aller chercher les recettes du domaine. Et les recettes du domaine, si on me les prive, ça veut dire qu'on m'ampute d'une partie des recettes de la commune. Je ne sais pas si les gens qui ont mis la décentralisation en place savent même ce qu'ils ont mis là. C'est pour ça, je vais vous dire un peu, c'est pour ça que contrairement à ce que beaucoup ont dit de moi à l'époque, lorsque j'ai décidé d'aller à l'élection, les gens ont dit, je suis allé à l'élection parce que je suis devenu sardinard. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris que moi j'ai compris les textes sur la décentralisation. C'est-à-dire que dès que les textes sur la décentralisation ont été promulgués, j'ai dit, je pars à l'élection là. Parce qu'en lisant et entre les lignes, les textes sur la décentralisation au Cameroun, je voudrais vous dire, c'est l'un des meilleurs textes dans tout le continent africain. Pourquoi ces carrières? Moi j'ai lu les textes sur le Mali. Pourquoi vous avez fermé ces... Pourquoi vous êtes allé poser les scellés? Parce que je ne comprends pas jusqu'à présent. Non, je n'ai pas... Vous avez... Ça dit que, est-ce que vous êtes seulement arrivé matin, vous avez dit que là-bas il y a l'argent, je m'en vais, je sais. Non, ce n'est pas comme voilà. Ça. Je suis pourquoi un... Pourquoi vous posez... Voilà, vous allez poser les scellés. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas eu de démarches préalables? Est-ce que les... Non, écoutez. Ces carrières ne payent pas certains types de taxes déjà. Voilà. Vous arrivez fraîchement, mais... 3-4 mois plus tard, vous allez seulement vous poser. Je ne sais pas si quand on est élu, on a un temps pour commencer à agir. Non, non mais est-ce que. C'est pour comprendre. Ça veut dire que nous, on est élu. Ne soyez pas sur la défensive. C'est pour maintenant, comprendre. Permettez-moi c'est de dire comprendre. Aux Camerounais qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Je suis élu maire. J'arrive, je regarde des tas de lieux. La commune n'a pas d'argent. Je voudrais vous dire que j'hérite d'à peu près 122 000 francs hein, des caisses de la commune. Je veux dire 122 000. Hein. Je parle bien d'une commune. Je dis, mais dis donc, Paul Henri King, tu es venu dans quoi? Quelles sont les possibilités que la loi te donne pour avoir de l'argent? Première possibilité, recette fiscale. Mais il faut que j'attende que les CAC soient reversés. Parce que, vous le savez, avec le principe de l'unicité de caisse, les communes ne peuvent plus encaisser directement sur le terrain. Ça veut dire que c'est les impôts qui partent collecter et vous envoient de l'argent quand eux, ils veulent. Je dis bien quand ils veulent, je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier trimestre, par exemple, des taxes viennent seulement d'être payées aux communes, hein, il y a à peu près 3 semaines. Le premier trimestre, nous sommes en juillet. Ça veut dire qu'un maire qui s'assoit et attend ça, son compte est réglé. Il est complètement décédé. Et en ce moment, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quelles autres possibilités la loi m'offre pour qu'il y ait des rentrées financières dans ma commune. Je convoque donc les patrons des carrières, parce que ça, c'est ce que les Camerounais doivent savoir. Parfait. Je les appelle dans mon bureau, on fait une réunion avec PV, 2 réunions avec PV, 3 réunions avec PV, je leur dis, vous là, vous faites combien de camions par jour?
Le dernier me dit qu'il fait 30 camions. Le premier me dit qu'il fait dans les 200 camions au jour. Je dis ok. Moi, je laisse le plus fort. Je laisse d'abord ça. Vous, vous faites 30 camions par jour. Mais moi, j'étais à Douala. À Douala, le camion de Pouzlan, c'est 210 000. Ok, si vous faites 30 camions par jour... Il y a des charges. Je n'ai pas fini. Okay. Je connais toutes les charges. Mmh. Un camion qui part de Ndjombe pour Douala, c'est 90 000 francs. La pelle chargeuse qui charge un camion de 30 tonnes, c'est 10 000. Dont les charges, c'est 100 000. Maintenant, si vous voulez ajouter à ça les charges du personnel. Ok ? Mais si vous n'avez pas de personnel, on ne met pas ses charges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vendez la Pouzlan à 210 000. Seulement, vous la prenez à la commune de Pengia à 722 francs CFA. 722 francs CFA. Le camion. Le camion de 30 tonnes. 722 francs CFA. Et il faut que le monde entier entende ça. Que le président Paul Biya entende ça. Monsieur le maire, qui avait fixé ces coûts? S'il vous plaît. Ces coûts de 722 francs. Permettez-moi, je suis en train d'arriver. C'est quand je fais le ratio de ce qu'il paye mensuellement, c'est-à-dire que quand il paye mensuellement 800 000 à la commune, je fais le ratio du nombre de camions qu'eux-mêmes ont déclaré. Mais je sais que quand ils font ces déclarations, ils sont des menteurs. Quand le gars me dit qu'il fait 30 camions, je sais qu'il en fait 110. Ces petits mots, 30 camions. Quand je fais le ratio, ça me donne 722 francs CFA, le camion de 30 tonnes. Si vous faites 70 jours, soit 30 camions par jour, ça vous fait à 6 millions et demi par jour. Si vous faites 6 millions et demi par jour, soit 30 jours, ça vous donne au minimum 200 millions par mois. Si, admettons même que les charges soient de 70%. Il vous reste au minimum. Oui, parce qu'il y a les barrières. 60 millions. Si vous avez 60 millions le mois, vous ne pouvez pas donner à la commune de Pengia 800 000 francs le mois. Vous ne pouvez pas. Vous leur demandez combien? La différence entre ces gens et moi, c'est que beaucoup ont mis 4 ans à l'école. Et moi, au moins 30 ans à l'école. Parce que je continue à apprendre. Oh, monsieur le maire. Maintenant, oui, non, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous leur avez demandé combien? S'il vous plaît. Maintenant, vous voyez, le gars qui entre 722 francs et 110 000, entre 60 millions et 800 000 francs qu'on verse à la commune de Pengia, je vous assure, personne ne peut accepter ça. Mais que prévoit la norme? Voici. Non, il n'y a pas de norme. Il n'y a plus de question de norme. S'il vous plaît. Non. Si je prends le cas de Bala. Non, je dis à Djombe Pengia, quelle est la norme? Écoutez, écoutez. Si devant une loi, oui, on agit par rapport à cette nouvelle loi, oui, par rapport aux normes. Parce que l'ancien. Mais vous avez cité la norme depuis le début du. S'il vous plaît. Si vous avez cité le code général des collectivités territoriales. Non, le code général. Voici ce que dit le code général. Nous étions sûrs que vous fonctionnez en. S'il vous plaît. Selon les normes. Voici ce que dit la collectivité. Il dit que les communes exploitent elles-mêmes leur carrière. Hein. Ça veut dire qu'en fait, la norme veut que j'aille moi-même puiser ma Pouzlan et que j'aille la vendre pour avoir 210 000 directement. On suppose donc que vous l'avez. Mais je dis, ok, comme nous ne voulons pas le faire directement, vous, qui faites 30 camions, vous allez verser 5 millions le mois sur vos 60 millions. Vous, qui faites 400 millions le mois, vous allez verser 5 millions le mois. Vous, le maire ou le conseil municipal? Est-ce que c'est le conseil qui a pris cette décision? C'est le conseil municipal. Il s'est tenu compte. C'est une décision. Est-ce qu'il y a un acte de conseil? Oui, mais écoute, permettez-moi. Ce harcèlement, nous posons des questions, monsieur le maire. Nous voulons comprendre. Écoutez, le conseil municipal de Ndjombe Pengia a siégé le 17 avril. A donné autorisation au maire, 1, d'annuler toute exploitation de carrière dans sa commune. Je dis bien le conseil municipal de Pengia. C'est l'organe législatif de la commune. Le conseil municipal. De 2, a donné mandat au maire, en vertu de la nouvelle loi sur la décentralisation, de renégocier donc les nouveaux prix qui cadrent avec les attentes de développement de la commune. Nous avons cette délibération. Vous comprenez?
Et je parle là sous le contrôle des conseillers municipaux de Ndiobe Pendia. Qui ne sont pas ici. Non, vous pouvez, vous avez les moyens. Ils ne sont pas ici. Non, vous avez les moyens de. Vous avez les moyens de les appeler. Les conseillers qui sont là, mais ne sont pas ici. Je suis en train de vous dire, si moi je savais que je passais à cette émission, je vous portais toutes les. J'ai même cette délibération, je marche avec ça. Mais vous avez rencontré les exploitants, vous leur avez proposé. S'il vous plaît, je rencontre donc ces exploitants. Oui, oui. Nous sommes d'accord que les prix vont changer. Je leur dis 5 millions si vous exploitez seul la carrière et 3 millions si vous devez faire une exploitation le joint venture partagée avec la commune. Ah d'accord. Oui, avec la commune. Puisque la commune exploite désormais ses propres ressources naturelles. C'est ce que dit l'article 156.6. Alors, à partir de ce moment, les gars me disent, monsieur Lomé, nous partons réfléchir et on attend. On reviendra vers vous. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, moi je suis là pour 5 ans. Mais revenez vite. Ce qui se passe donc, c'est que, par courtoisie, et c'est en cela que je veux répondre à mon très cher ami. Le prix du temps. Par courtoisie, je vais voir le préfet. Je dis au préfet, monsieur le préfet, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Étiez-vous au courant que les gens payaient le camion à 722 francs, le camion de Pouzla? Il me dit oui, je savais. Mais Paul Éric, moi j'ai même tenu un discours à Pendia où je disais aux gens que vous ne pouvez pas avoir des carrières et les routes sont complètement des nids de poules. Ça c'est le préfet qui me le dit. Le préfet tourne autour de 43 ans. Et dans mon esprit, je me dis, enfin, un jeune qui comprend que les choses doivent changer. Voilà. Un jeune que je trouve qui a une autre vision. Mais vous savez ce que le préfet me dit? Non. Il me dit, Paul Éric, je ne voudrais pas que vous me coupiez. Non, mais si vous... Si vous me coupez, c'est à la deuxième année que je reviendrai sur votre plateau. Mais si vous diffamez le préfet, c'est une menace, on va monsieur le couper. S'il vous plaît. Vous menacez. S'il vous plaît. Si vous diffamez le préfet, non, on va couper. Non, s'il vous plaît. Oui. Je préfère que vous coupiez. Mais parce que il faut que les gens... Diffamer. Il faut que les gens... Non, je préfère que vous coupiez. Non, il faut mais vous n'allez pas le diffamer. Non, écoutez. Je préfère que vous coupiez. Donc vous allez le diffamer. Écoutez. Permettez-moi de faire le récit. D'accord. Et je vous fais le récit et le préfet est vivant. Vous comprenez? Il me dit, Paul Éric, je souhaite avoir 3 mois de réflexion pour être au même niveau de compréhension de la loi que toi. Parce que tu m'as montré l'article 156.6, tu m'as montré l'article 390, tu m'as montré l'article 18. Alors, ces 3 articles, laisse-moi le temps de regarder et d'être au même niveau de loi que toi. Je suis allé à Pendia m'asseoir dans mon bureau pour attendre que le préfet supposé être allé à l'ENAM comprenne la loi pour toi pendant 3 mois. Il y a pas, j'ai accepté il y a ça. Pas de faculté de non, droit s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Il n'y a pas de faculté de droit à l'ENAM. Le préfet peut être, avoir une formation de sciences économiques. Oui, c'est possible. Qu'il quel c'est à quel mois, monsieur c'est possible qu'il soit même. Voilà, il n'y a pas de faculté de droit à l'ENAM. C'est quel mois? Je dis, pardon. C'est à quelle date à peu près? Je vais voir le préfet pratiquement à la fin du mois de février. Fin du mois de février. Il devait vous répondre à main donc. Pardon? Il devait vous répondre après 3 mois. C'est ce que vous avez dit. Il doit me répondre après 3 mois, d'après lui. D'accord. Et puis la loi est nouvelle pour tout le monde. La loi a été promulguée. J'espère que vous savez qu'on est arrivé. La loi a été promulguée. Un petit rappel, monsieur le maire. La loi a été promulguée le 24 décembre 2019. Oui. Je ne vois pas ce qu'il y a de dénigrant pour une autorité administrative de demander qu'on lui laisse 3 mois pour bien s'intégrer. C'est pour ça que je lui ai laissé 3 mois. Je vois rien. Non. C'est pour ça que je lui laisse 3 mois. Parce que tout le monde n'a pas un cerveau qui va très vite comme le mien là. Donc en fait, ce qui pose problème, c'est quoi? C'est que monsieur Rodrigue Tonguet, pendant que je suis donc assis, et de toute bonne foi, je crois que je suis de bonne foi, le préfet est de bonne foi, je ne doute de rien, on commence à me dire qu'il y a déjà une personne dans une autre carrière. Une autre personne dans une autre carrière. Pendant les 3 mois, le préfet a déjà placé 30 personnes dans 30 carrières différentes. Vous accusez placé le préfet. Je suis en train de placer. Écoutez, non. Si vous m'avez amené dans votre... Moi, je préfère arrêter On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur d'accuser le préfet. Je suis en train de vous dire, en 3 mois, s'il vous plaît, non, ce que vous avez vu à la télévision,
elle aura le bol d'une population dépassée. Parce que à l'heure où je vous parle, la commune de Pendia compte 46 carrières. Au bout de 3 mois, le préfet a positionné 30 personnes dans les 46 carrières, c'est-à-dire 30 carrières en ce moment sont en espace. Ils les positionnent par quel acte, monsieur le maire? Mais écoutez donc, c'est ce qui me surprend et c'est ça qui surprend tout le monde. Et c'est ça qui a révolté l'exécutif communal de Pendia. Nous sommes donc descendus dans les différentes carrières. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est le préfet qui nous a mis ici. Qui vous a mis là? C'est le préfet qui nous a mis là. Mettez-vous dehors. Par quel acte? Vous n'avez pas demandé par quel acte? Ça peut être... Non, je demande l'acte. Non, non, on demande l'acte. Non, monsieur le maire. Mais sauf que... Non, monsieur le maire. Non, monsieur le maire. Oui. Je veux comprendre. Oui. Vous êtes maire de Ndjombe Pendja. Oui. À la première accusation contre le préfet, vous gobez tout et vous ne demandez pas une pièce qui prouve. J'ai demandé des pièces. Voilà. Je voudrais vous dire que quand je fais mes descentes sur le terrain, vous avez dû suivre qu'une société m'a fait une plainte là. Moi, je ne fais jamais les descentes sur le terrain sans mes conseillers municipaux et sans mes adjoints. Donc, je ne joue pas au Superman. Je vais toujours avec mes conseillers municipaux et avec mes adjoints. J'étais sur le terrain avec mes conseillers municipaux et mes adjoints. On a déjà vu les images. Et chaque fois que j'ai demandé dans une carrière, qui vous a placé ici? Le monsieur répond, le préfet. J'ai dit, ok, est-ce qu'on peut avoir un papier qui prouve que c'est le préfet? Voilà. Les gars me disent, mais vous n'avez qu'à... Mais ce qui me le prouve, c'est quoi? C'est que immédiatement le lendemain, moi, je reçois un coup de fil du préfet. C'est-à-dire que quand le préfet me dit, monsieur le maire, vraiment, je comprends que c'est lui qui les a placés. Parce qu'il est en Consamba. Ndjombe Pendja est en Ndjombe Pendja. D'où vient-il que le préfet sache que quelqu'un est dans telle brousse et dans telle autre brousse? Alors qu'il est supposé ne pas être un champêtre. Il est un bureaucrate. C'est une interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Une interprétation. C'est pas une interprétation. Vous n'avez pas produit la preuve. Je dis, écoutez, c'est une interprétation. Je souhaite. Et Rodrigue, oui. J'ai beaucoup de considération pour les journalistes et beaucoup de respect pour vous. Oui. Des journalistes de Canal 2 étaient sur le terrain. D'ailleurs, toutes les images que vous voyez là viennent de la presse de Canal 2, des journalistes de Canal 2. Ils ont fait des investigations dans toutes les carrières. Je vous dis que toutes les carrières sont occupées par des gens envoyés qui disent être envoyés par le préfet. Et alors, pourquoi moi j'ai la preuve que c'est le préfet? Le lendemain, le préfet appelle pour me dire que, attention, c'est moi qui ai mis tel là-bas, c'est aussi moi qui ai mis tel. Je vais même vous dire quelque chose de terrible. Je vais vous dire quelque chose de terrible. Un responsable de la commune de Manjo. Manjo, c'est après... C'est dans le Mungu, en tout cas. Oui, après Loum, un peu après, là. Un responsable de la commune de Manjo me dit, mais, monsieur le maire, nous sommes venus vous voir. Nous sommes 4. Parce qu'on veut comprendre. Le préfet a appelé notre maire pour lui dire qu'il va envoyer Oumarou. Oumarou, c'est le maire de Nkonsamba Premier pour exploiter nos carrières. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous gérez cette affaire-là? Vous savez ce que je leur ai répondu? Ils sont certainement en train de me suivre. Je leur ai dit, allez dire à votre maire de dire au préfet que ce n'est pas lui qui gère les carrières. Monsieur le maire, vous avez dit... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, on va sortir de ce malheureusement. Je refuse qu'on sorte de ce biais sans non, on va sortir de ce biais. On ne sort même pas. Monsieur le maire, on ne sort pas. On ne sort pas. Mais laissez-nous relancer. On relance. Je voudrais vous dire que ce préfet... Je voudrais vous dire que ce préfet est le jeune frère. Le dernier frère, le frère cadet de quelqu'un d'autre qui a été préfet là-bas il y a quelques temps seulement. Monsieur le maire, question pour lancer. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas fini de. Le téléspectateur de Mawa, le téléspectateur de Ngaoundé, répensons à lui. Évoquons les sujets. Monsieur le maire, continuons à. Permettez-moi de relancer. C'est dans la même chose. Je pense au téléspectateur de Mawa pour dire que il est le cadet de quelqu'un qui a été préfet là-bas. Qui a eu 316 hectares de plantation à Pendja. C'est-à-dire le grand frère de ce préfet-là. Le grand frère de ce préfet Monsieur a eu 316 hectares Monsieur de plantation à Pendja. Ce n'est donc pas le cas. C'est-à-dire si vous arrivez à Pendja demain matin, je vais vous montrer les plantations de ce monsieur. Monsieur le maire, moi j'ai une question. Oui. Quand vous arrivez à la 316 mairie, hectares. Quand vous arrivez à la mairie de Pendja, vous succédez à un exécutif. Oui.
cet exécutif travaillait avec ces gens-là qui exploitaient. Oui. Quels sont les dossiers que vous avez trouvés? Quelle était la relation de ces gens? Parce que vous faites un procès à charge contre le préfet comme s'il n'y avait pas un exécutif communal avant vous. Est-ce que je peux répondre? Vous pouvez me laisser donner la parole. Qu'est-ce que vous trouvez en l'état des contrats entre ces gens et l'exécutif qui vous s'il vous plaît. Succéder? S'il vous plaît. Une réponse rapide parce qu'on doit. Non, vous ne pouvez pas dire une réponse rapide. Oui. S'il vous plaît. Voici ce que dit le code, l'ancien code, c'est-à-dire le code minier, le code qui ne s'applique pas aux communes aujourd'hui. Le code minier qui ne s'applique pas aux communes aujourd'hui, parce que dans l'article 500 du code sur les collectivités territoriales, toute disposition contraire est abrogée. Ça veut dire que ça ne s'applique pas aux communes. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en réalité, mon prédécesseur signe des contrats avec ses exploitants de carrière, alors même que les communes n'ont pas encore eu de compétences transférées. Je ne sais pas si je voudrais parler en français très facile. C'est-à-dire que l'ancien maire partage les carrières aux gens, alors même que la loi ne lui en donne pas l'habilitation. En droit, on dit qu'il manque de base légale. Ça veut dire qu'il a agi en toute illégalité, premièrement. Deuxièmement, c'est quand je parle du code minier, dans ce code minier, c'est le ministre des Mines seul qui avait, qui était habilité à signer les permis d'exploitation des carrières. Mais sauf que toutes ces entreprises qui logent dans mon enceinte là, une seule avait un permis signé le 23 juin 2015 et pour une validité de 5 ans. Cette entreprise s'appelle SETP. Sauf que le 23 juin 2020, j'ai écrit à cette... Non, le 24 juin au matin, j'ai écrit à cette entreprise de se, en l'interpellant, de se rendre compte que depuis ce matin, son exploitation est illégale. Parce qu'il n'y a aucune disposition qui dit que ce contrat peut être prorogé par tacite reconduction. À partir de ce moment, tous les autres sont liés à la commune de Penga par l'acte de mon prédécesseur. Un acte questionnable parce que le préfet ne peut pas célébrer les mariages. Cela veut dire que le maire qui n'est pas habilité à donner la carrière ne peut pas donner la carrière. Son acte était purement et simplement illégal. Maintenant, je vais vous dire ce qui a entraîné les fameuses délibérations dont je vous ai parlé. J'ai porté le problème au conseil municipal. Le conseil municipal a dit, comme le prédécesseur a agi sans être habilité, maintenant avec la nouvelle loi, comme la nouvelle loi nous permet d'agir, on refait donc maintenant de nouveaux textes qui vont être le cadre d'agissement, de vos agissements sur le terrain. C'est comme ça qu'ils pondent un ou deux, je crois, une ou deux ou trois, je crois, délibérations. D'abord, la première me demande d'annuler les contrats qui ont été signés avec l'ancien exécutif parce qu'il n'y avait pas de base légale. Deuxièmement, qu'il y ait une renégociation avec ces gens. C'est sur la base de cette renégociation que je demande à rencontrer ces gens. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui vient d'être là, qui appelle les exploitants? Monsieur le maire, sur les compétences, et on vient sur ce fameux article que vous avez invoqué, l'article au début, 156, article 156, alinéa 6, qui vous concerne effectivement l'exploitation des substances minérales non concessibles. Voilà. J'imagine que c'est sur cet article que vous vous êtes basé. Mais le Code général de la décentralisation est un article qu'on ne cite pas beaucoup, article 18. Non, je vous ai parlé de l'article 18 ici. Voilà, alinéa 2, vous n'avez pas évoqué. Alinéa 2. Oui. Par dérogation à l'alinéa 1, les compétences transférées peuvent être exercées par l'État si le gouvernement entend intervenir ponctuellement dans le cadre du développement harmonieux du territoire ou en vue de résorber une situation d'urgence.
En cas de carence aussi, dûment constatée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le ministre concerné par la matière transférée. Et cette, la fin et est très intéressante. Il y a un décret du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article. Ça, c'est sur le principe de transfert des compétences. Et à la fin, on dit tout transfert de compétences par l'État s'accompagne de ressources et de moyens nécessaires à l'exercice effectif des compétences transférées. Est-ce que vous n'êtes pas allé vite en besoin? Non. Est-ce que vous avez les ressources et les moyens, s'il vous plaît, d'exercer cette fameuse compétence que vous revendiquez tant? Nous sommes là pour éduquer les Camerounais. Il faut les éduquer. Il faut dire aux Camerounais en français facile que lorsqu'une loi est promulguée, elle est d'application immédiate. Je vous dis que le Cameroun est le seul pays au monde où le décret induit la loi. C'est le seul pays, le simple principe de la hiérarchie des normes juridiques veut que la loi soit au-dessus du décret et des arrêtés. Monsieur, s'il vous plaît. C'est inexact, on ne peut pas vous laisser dire ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas le seul pays au monde parce que les lois camerounaises sont calquées sur le système français. S'il vous plaît. Je suis sur le site du Sénat français, je peux vous parler des textes d'application. S'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. Non. Le Cameroun n'a pas inventé les textes d'application. Monsieur, vous pouvez consulter tous les juristes de ce monde. S'il vous plaît. Je suis sur le site du Sénat français. S'il vous plaît. Le Cameroun n'invente pas le texte d'application. S'il vous plaît. Vous pouvez consulter tous les juristes de ce monde. Monsieur le maire, je voudrais... Quand le président de la République a promulgué une loi, elle a effet immédiat sur les sujets. Monsieur le maire, vous comprenez que le public c'est comprenne. Une véritable hérésie. Ce n'est pas exact. Le Cameroun n'invente pas les textes d'application. Moi, je peux vous... S'il vous plaît. En admettant un seul instant que ce que vous dites est vrai, ça revient simplement à dire qu'on n'est pas dans la décentralisation. S'il vous plaît. Ça, c'est votre précision. C'est votre lecture. Tout est progressif. S'il vous plaît, je dois faire une précision en avance. Oui, allons-y. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, vous posez le problème du respect des normes juridiques. Personne ne va débattre de cela. La loi est au-dessus des textes réglementaires, c'est-à-dire décrets, arrêtés, décisions. Si vous allez devant un juge, s'il vous plaît, et Jean Chema vous fait remarquer que il n'y a pas que le Cameroun, il n'y a pas qu'au Cameroun qui a des hérésies. Le rôle des hérésies, ce n'est pas une hérésie. Non, moi je n'accepte pas c'est ce mot. Je ne suis pas juriste. Mais vous contestez quoi? Je vous dis ceci. Voici pourquoi je réagis. Oui. Monsieur le maire dit, le Cameroun, il a dit, c'est le seul pays au monde où je lui dis que le Cameroun n'invente pas les textes d'application. Moi, je suis sûr. Non, vous ne parlez pas de la même chose. On parlait de la même. Il a parlé des textes d'application. Vous ne parlez pas de la même chose. Pensons aux téléspectateurs. Vous dites que le texte d'application n'a pas son intérêt, c'est ça? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Le Cameroun est le seul pays au monde. Pourquoi un texte d'application si ce n'est pas nécessaire? Maintenant, pour les textes d'application, monsieur le maire. Monsieur le maire. Après 3 mois de promulgation d'une loi, elle n'est toujours pas. Monsieur le maire, s'agissant des textes d'application maintenant, ça peut être une autre loi. C'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas une autre loi. C'est donc un décret. Je vous explique. Les textes d'application ont pour objectif. C'est un décret. C'est un texte réglementaire qui est en dessous des lois. Mais qui vient préciser les dispositions? C'est nécessaire. Nous sommes en train d'enseigner. Sans texte d'application, il y a des lois qui ne s'appliquent pas. Non, je vous dis. On est d'accord. Il y a des lois qu'on ne peut pas mettre en œuvre sans les textes d'application. Est-ce que Jean Chemin estime que ce texte ne peut pas se mettre en œuvre sans décret d'application, sans texte d'application globalement? C'est précisé. Voilà la question. Je suis en train de lui dire, premièrement, c'est une hérésie qui n'existe pas en droit. En droit, dès qu'un texte est promulgué, une loi est promulguée, elle s'applique sur les sujets. Ça, c'est le béaba du droit. Les juristes apprécieront. Est-ce que vous savez le rôle des textes d'application? Il faut savoir le rôle des textes d'application. Est-ce qu'il est appliqué? On dit que tous ces trucs-là, c'est-à-dire c'est un peu comme si on vous donnait la chèvre et on tenait la corde. Ça veut dire que c'est un peu comme si on vous donnait la chèvre et on tenait la corde. Ça veut dire que c'est un peu comme si on vous donnait la chèvre et on tenait la corde. Ça veut dire que c'est un peu comme si on vous donnait la chèvre et on tenait la corde. Est-ce que c'est vous qui corrigez? S'il vous plaît. Acceptez d'abord qu'il n'y a pas un texte d'application et que vous êtes allé plus que la musique.
société qui est basée dans le pays. Quand vous avez dénoncé, il y a deux possibilités dans ce que vous dites. Dites-moi un peu. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, de temps en temps, je parle sur les plateaux. Parce que je ne suis pas seulement maire, je suis président d'un parti politique qui peut prendre position sur des questions brûlantes de son pays. Le MPCN. Ok ? Je suis le président national d'un parti politique qui peut prendre position sur des questions brûlantes dans son pays. Si on admet ce que vous dites... Je n'admets rien, monsieur. Non, je dis, c'est lui, si on pose des questions, vous allez faire le débat dans un instant. Je ne pose pas de questions. Lui pose des questions, vous ne faites pas de débat avec lui. Je ne pose pas de questions. Non, il n'y a pas de débat avec le journaliste. Les journalistes ne font pas de débat sur ce plateau. En admettant ce que vous êtes en train de dire. Le débat, c'est tout à l'heure avec Henri. En admettant ce que vous êtes en train de dire, ce qui va se passer, c'est que sur le plan politique, ça peut donner, ça peut renforcer le sentiment des gars du Nord-Ouest. Du sud-ouest, que la décentralisation dans notre pays je vous propose est un véritable leurre. Delphine Fonco, il vaut mieux ne pas suivre ces gens dans leur logique. Dans auquel leur... cas il faut faire la rébellion. Non, mais non, je dis qu'il faut faire très attention. Sur le plan politique, lorsque vous dites voici la décentralisation. Avec la contribution à la technique, est-ce qu'on peut prendre. Lorsque vous dites Boutenay, voici la décentralisation. Mes préférences, s'il vous plaît. Un chef d'État comme M. Biya, sachez que. Nous revenons un peu en catastrophe en plateau. Nous espérions que cette transition serait plus longue pour amener le calme ici, mais la réalisation en a décidé autrement. C'est le maître de l'émission. Nous le suivons. Alors Delphine Fonco-Téné est bien installée. Bienvenue Delphine. Merci. Bienvenue avec vos couleurs surtout. Merci. J'espère que vous allez les partager avec nous et ramener bien. Un peu plus de sérénité sur ce plateau et permettre et rappeler à tout le monde de rester à sa place. Les journalistes posent des questions. Le débat. C'est tout de suite après vous. Merci. Alors, Tierman, bonsoir. Bonsoir. Le chopper de Ndiombe Pendja, toujours bien mis dans ses vestes cravates. Qu'est-ce qui a guidé le choix de la cravate rose de ce soir? Oh, c'est un choix. J'avais pas prévu ça ce matin. Je crois que j'ai une centaine de cravates. Hein. Quand je pose la main, celle qui tombe dans ma main, je la porte. C'est tout, je n'ai pas prémédité. Vanta et gueulard, deux adjectifs qui peuvent vous qualifier. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle vantard, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Qui se sent. C'est-à-dire quoi? Qui aime s'affirmer, quoi. Oui, ben écoutez, quand on est sûr de soi-même, il faut éviter de douter de ce qu'on est. Hein. Moi, je ne doute pas de ce que je suis. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas un arriviste. J'ai quand même du chemin. Vous comprenez? Non seulement j'ai du chemin, mais mon chemin est atypique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maires dans ce pays qui ont suivi le même chemin que moi. Vous comprenez? Vous faites 10 ans de prison au total, vous revenez, vous vous réasez au même endroit. Ça, c'est pas. On ne voit pas beaucoup de gens qui vivent ça. Et c'est un objet de fierté pour moi. Donc, du coup, je ne dois pas me considérer comme un dernier de la classe. Fek aime la vie, même si ses habitudes alimentaires lui contraignent de consommer l'alcool. Comment vous gérez cela? Bon, écoutez, moi, d'abord, je ne prends pas de l'alcool. Exact. Ça, il faut que vous le sachiez. Et ça, c'est depuis ma naissance. Hein. Je n'ai jamais pris une goutte d'alcool. Quoi? Non, parce que je me souviens, à l'âge de 9 ans, je ne sais pas, je crois que c'est ma mère qui m'avait donné une petite goutte de bière, là. Elle m'a fait dormir pendant un jour et demi. Hein. Mmh. Et puis, quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'il y a le poison dans cette affaire-là. Même pas du vin. Ouais. Même pas du vin pour digérer. Non, je ne prends pas de vin. Je ne prends pas d'alcool. Ma seule boisson, c'est l'eau. Et vous consommez aussi beaucoup de fruits. Oui, je prends beaucoup de fruits, ça c'est clair. Je prends beaucoup de fruits, mais beaucoup de légumes aussi. Vous restez friand de mets de pistache avec du miandor? Oui, bon, je vais vous dire pourquoi j'aime le mets de pistache. Hein. C'est parce que, a priori, il n'y a pas de l'huile. Donc tout ce qui a... Un coquille sans huile. Voilà, tout ce qui a l'huile là ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que, vous savez, j'ai déjà une propension à prendre du poids. Si j'ajoute à ça de l'huile et
d'autres matières grasses, vous comprenez que je marcherai un jour en route et je vais imploser. Moi, je voudrais éviter d'atteindre ce niveau. Donc, du coup, je me suis donné une certaine discipline depuis un certain nombre d'années. Je ne prends pas de l'huile, je ne bois pas les jus gazeux. Là. Je mange un peu de sel, un tout petit peu de sel seulement. Donc, voilà, je ne mange pas de cube Maggi. Donc, voilà. On n'a rien sans contre le mal. Enfin, j'ai dit de cube Maggi, je ne sais pas. Le cube. Machin, donc, il y a Onig aussi. Voilà, donc chez moi, c'est pratiquement une alimentation suffisamment contrôlée. Bon, il faut dire que j'ai quand même mis 8 ans, presque 9 ans en prison. On en reparle. Non, je le dis, parce que ça aussi, ça, si je n'utilisais pas, si je ne vivais pas comme ça en prison, j'en serais sorti soit avec un AVC, soit... Vous savez, quand vous mettez du temps en prison, ça peut vous détruire complètement. Donc les gens sont surpris de me voir en forme, malgré les 9 années de prison, c'est parce que je me suis donné une certaine discipline. Justement, si je ne me donnais pas cette discipline, ça aurait été, je crois que je serais même plus... Justement, vous avez fait la prison 2 fois, la première et la plus récente, c'était au lendemain de la présidentielle, alors que vous étiez directeur de campagne de Maurice Kamto, et ensuite c'était en 2008, en février, lors des émeutes de la faim. 2 expériences, des leçons tirées. Bon, est-ce que je peux dire que j'ai tiré des leçons? Pas vraiment. Je vais vous dire ça pourquoi. Ça se voit. Je vais vous dire que vous êtes sur le front. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes sur le front. Je vais vous dire pourquoi. On tire des leçons quand on a des problèmes de conscience. Moi, j'ai fait 2 prisons gratuites. C'est-à-dire qu'on m'a arrêté, on m'a accusé et on m'a acquitté pour fait non établi. OK? Quand vous prenez quelqu'un, vous le jetez en prison, il doit avoir quelle leçon? Moi, je dois tirer quelle leçon? La seule leçon, s'il y en a une, c'est au moins d'avoir compris qu'au Cameroun, on peut se lever un matin, on arrête quelqu'un, on le jette en prison et puis on le libère un autre jour. C'est la seule leçon que j'ai pu tirer. Mais sinon, ma conscience ne se sent pas mêlée à tout ce qui s'est passé. Donc du coup, j'avais pas... Si j'étais allé là-bas, après avoir dérobé de l'argent de la commune, vraiment aujourd'hui, la plus grande leçon que j'aurais retenue aurait été de dire, dans la vie, il ne faut plus toucher à l'argent de ceci et machin. Donc du coup, je ne me sens pas concerné. Je n'ai pas eu de leçon, je n'ai pas de leçon. Ça, c'est pour le premier séjour et le deuxième séjour. Et là, c'est pour le premier séjour. Le deuxième séjour, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on me prend alors que, en réalité, les faits même ne sont pas caractérisés. Parce que on dit que j'étais à la marche, à une marche. Mais je mangeais les beignets et le haricot. C'est vrai que j'étais inscrit dans la lutte pour les libertés au Cameroun. Ça veut dire que être directeur j'étais directeur de campagne de Maurice Kamto. Mais j'ai lu, parce qu'il m'arrive de regarder de temps en temps les réseaux sociaux, j'ai entendu certaines personnes dire, mais on ne l'a arrêté que parce qu'il mangeait les beignets et mais sauf qu'on n'a pas arrêté quelqu'un d'autre à Chobiamo le jour là. Ouais. Nous étions, il y avait beaucoup de clients. On m'a arrêté parce que j'étais attaché à Maurice Kamto, mais parce que je suis un combattant pour les libertés dans ce pays. J'espère que vous voyez la liberté de ton que je me donne. Justement, monsieur le maire, vous avez fait 2 passages. Le premier passage, surtout, a été néfaste dans votre vie. On va dire que c'est en quelque sorte à l'origine de votre divorce avec votre femme. Oui. Oui. Vous savez, au premier passage, j'ai été condamné 3 fois. Oui. À vie, 10 ans et 6 ans. Sauf que j'ai été acquitté 3 fois aussi, non, pour fait non établi. Donc, quand on vous condamne 3 fois à vie, parce que là, c'est la peine capitale, quand on vous condamne à la peine capitale alors que vous n'avez rien fait, vous savez ce qui vous reste? Vous dites, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Prends en main ma vie. Et si je n'ai rien fait, sors-moi des mains de ces gens. C'est l'histoire de Daniel qu'on a jeté dans un trou, parce que dans un trou à Lyon, parce qu'il fallait l'éliminer. J'en suis sorti, je crois, un peu ragaillardi. D'ailleurs, je voudrais vous dire que l'une des conséquences de ce qui s'est passé là, ça a renforcé
Votre puissance, en quelque sorte. Non, pas ma puissance, ma têtutesse, ma témérité. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de personne et de rien dans ce pays. C'est-à-dire, je suis prêt à m'exposer à la mort. Ça ne me dit rien. Surtout après avoir traversé, parce que pendant, toujours pendant cette période, si vous avez, prend, alors vous avez perdu votre fils. Voilà. Paul-Éric Ingué Junior qui voilà. est parti pendant le jour même de son 11e anniversaire. Voilà. Ça n'a pas été facile pour vous. Ça n'a pas été facile. Vous voyez jusqu'où l'injustice peut partir. Il peut aller. C'est-à-dire qu'un matin, on vous prend, on invente une histoire sur votre tête et puis pouf, on vous prend. Et puis on vous accuse de tout. 8 ans après, on vient vous dire que... Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Mais entre-temps, votre femme est partie, l'enfant est décédé. Vous voyez ce que ça peut créer comme rébellion, comme esprit de rébellion. En tout cas, et c'est cet esprit qui me caractérise aujourd'hui. Moi, je me suis beaucoup amusé à entendre les gens dire qu'il est devenu sardinard. Non, c'est que les gens me connaissent mal. Les gens ne savent pas que je suis 50 fois plus rebelle que tout le monde là, que je vois en politique. Pour avoir vécu la douleur dans ma chair, cette douleur que j'ai vécue, je ne suis pas sûr que beaucoup l'ont vécue. Quand je vois les gens dire aujourd'hui que tel va libérer le Cameroun, tel va libérer le Cameroun seulement parce qu'il a mis 9 mois en prison, moi j'en ai mis 10. 10 ans! Quand vous faites 10 ans en prison, monsieur... D'accord, pour parler un peu, pour sortir de là et parler des choses un peu plus gaies, je vais vous proposer avec l'aide de la technique de regarder cette image... Et vous me dites quelque chose. Que voyez-vous sur cette image? Là, je vois mon avocat. Voilà. Qui est plus que votre avocat maintenant. Pardon? Il n'est plus que votre avocat maintenant. Il n'est pas seulement mon avocat. Exact. Il est mon frère. Il est le vice-président du MPCN. Oui. Et il est conseiller municipal. Donc vous comprenez que nos relations ne sont plus seulement au niveau du client. Et ça vient me montrer... ma moralité. Vous savez, généralement, quand vous vous séparez des avocats là-bas, chacun prend sa route. Mais si un avocat est devenu votre ami, c'est parce qu'il a vu votre façon de faire et il s'est dit que des masques politiques. Oui. Alors, mais je ne lui en veux pas parce que bien évidemment, beaucoup d'amis, il n'était pas le seul, beaucoup d'amis, parce que quand on dit que vous êtes en prison, à la prison principale, c'est quand même la prison politique là-bas. Hein. Donc quand on dit que vous êtes là-bas, peu de personnes prennent le risque. Oui, mais parce que vous avez organisé une manifestation. Non. Voilà. S'il vous plaît, je dis, à cette occasion, je n'étais pas à la manifestation, je mangeais les beignets et le haricot. Admettons donc que les beignets et le haricot m'ont emmené en prison. Paul-Éric Ingué, vous avez fait l'université de Yaoundé 1, oui. Et à l'époque, vous êtes... Non, de Yaoundé. De Yaoundé. Voilà. Et à l'époque, vous étiez très bon footballeur et vos camarades ont vite fait de vous surnommer Roger Mila. Vous pouvez encore rouler la balle comme à cette époque. Bon, regardez déjà l'épaisseur de mon corps. Vous comprendrez que si je cours derrière un ballon, oui. N'est-ce pas, je risque de m'écrouler. Ça, c'est le premier point. Mais je n'ai pas fait que... Vous avez aussi fait la chanson. J'ai fait la chanson. Vous j'ai êtes été, grand chanteur. J'ai été chanteur au Yaoundé University Music. Ouais. Bon, disons que j'ai été chanteur depuis le collège. Dans les lycées, j'ai même été chef d'orchestre partout. Et, où je suis et justement, quand j'ai dit Paolo Makossa, qu'est-ce que cela vous rappelle? Paolo Makossa, ça c'est le petit nom qu'on m'avait collé quand j'étais jeune. Grand chanteur. Non, j'étais chanteur. Grand à votre niveau. Non, j'étais un petit chanteur. Dans les lycées, on ne peut être qu'un petit chanteur. Ouais. Hein. Dans les collèges, on ne peut être qu'un petit chanteur. Et pour sortir, Paul-Éric Ingué, je souhaite que vous nous aidiez à dire merci à vos populations de Njombe Pendia à travers le titre Françoise de Côte François que vous adorez. Oh, ben là, je ne sais pas si j'ai encore. Françoise, oui. Françoise c'est Côte François, c'est sûr. Oui, c'est Côte François. Ah, oui. Disons les Black Steel. Ce n'est pas Toto Guillaume. Non, c'est oui, bon, c'est les Black Steel. Je crois que ça doit être Toto Guillaume. Toto Guillaume, oui. Allez, on y va. Bon, yo mata qui c'est nomba, ya Françoise yo, gao ma poulande la nao, de obietona, natodi yo ae, et bete na sango e nao moi, mo pabu y sembako, ko usa senga yo,
ebete na sango na mo mo pabu isembako ko usa sengae on goto ayo sasa. On en fera un concert, hein. Voilà, Françoise. Merci. Merci. Vous voyez que de merci temps vous en temps, vous êtes retrouvés. Je... Merci, Delphine Fonkou. Nous restons dans votre jardin secret pour les Rikingais. Ce deuxième séjour pour les Rikingais, pour accompagner Delphine Fonkou. Est-ce que, après, vous vous dites, est-ce que vous avez des regrets, votre engagement, votre place là, à revendiquer un pénalty marqué, à revendiquer un hold-up électoral, est-ce qu'avec du recul, vous vous dites que c'était du gâchis? J'avoue que je n'ai jamais rien regretté dans ma vie que ce dernier séjour. Pas parce que j'étais dans l'engagement des luttes pour les libertés, mais parce que mon choix était très mauvais. J'ai fait un très très mauvais choix. Le fait de me rallier, n'est-ce pas, au candidat dont j'étais le directeur de campagne, c'était le plus mauvais choix que je regretterai toute ma vie. Je n'ai pas regretté les 8 premières années de prison, parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis allé en prison, c'est justement parce que je luttais pour que les ouvriers de Njombe Penja voient leurs conditions s'améliorer. Donc pour moi, c'était une lutte qui me boostait plutôt. Mais maintenant, m'être rallié, n'est-ce pas, aux gens qui n'ont pas du tout l'épaisseur, c'est l'une des choses, c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises dans ma vie. Monsieur Kingé, là je parle de l'homme politique. Vous êtes allié au MRC avant la présidence, au cadre de la présidentielle. Vous nous dites que c'est le plus mauvais choix que vous avez eu à faire de votre vie. Vous avez été directeur de campagne de M. Maurice Kamto. Ils se disent que nous avons appris que l'idée de marquer le pénalty était d'abord venue de vous à l'origine. Deuxième chose. Et qu'il y a même une autre idée que vous aviez suggérée, qui n'avait pas été adoptée, celle de nommer des ministres et des ambassadeurs. Comment, et on sait bien que l'affaire du pénalty marqué, c'est ça qui a conduit Maurice Kamto et sa coalition en prison. Est-ce que vous-même, il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il regrette de vous avoir connu? Il est libre de le dire. Parce que vous l'aviez aussi induit en erreur. Mais il est libre de le dire. Pourquoi vous regrettez donc de vous être moi, allé... je regrette parce que c'était pas... Vraiment, je savais pas... vous savez... Je ne veux pas parler de cette histoire. J'ai dit que je vais la coucher dans les mémoires. Vous comprenez? J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je viens parler de centralisation. Je ne parle pas des histoires de Kamto aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas lui donner la place. Écoutez, Kamto n'est qu'une étape de ma vie. Hein. Donc, ma vie ne se résume pas à Kamto. Donc, je ne peux pas me retrouver tous les jours en train de parler de Kamto. Mais sa question reste pendante. S'il vous plaît, je vais coucher tout ça. Sur papier, vous verrez si je regrette, si il regrette, si ceci, si tireur de pénalty, tout ça va être consigné dans le livre. Mais au moins vous assumez l'idée de tireur de pénalty, du pénalty marqué. Je vous dis que je ne parlerai pas des affaires de Maurice Kamto. Si les gens attendent que j'en parle pour lui faire un peu de publicité, moi je refuse de lui en faire aujourd'hui en tout cas. Vous faites votre chemin, vous avez dit au début. Non, je parle de centralisation aujourd'hui, je parle des carrières, ça m'intéresse. Monsieur le maire, mais j'ai quand même quelque chose qui me vient à l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le ministre Kamto, mais je rappelle une phrase que vous dites quand vous sortez, je parle de Paul-Éric Kingé. Vous dites, il vous a trahi, il n'a pas fait comme Paul Biya, qui respecte souvent ses engagements. On a eu dire au début de cette année qu'il y a eu des transferts d'argent en direction des mairies. Est-ce que vous avez déjà reçu votre quota? Les transferts d'argent? Oui. Les DGD, le quoi? Transferts d'argent relatifs à la décentralisation. Non, de toute façon, c'est 100 millions qu'on distribue à toutes les communes. Est-ce que vous avez déjà reçu? Jusqu'ici, on attend. Mais c'est donc une promesse qui n'est pas encore tenue. Je vous dis... Puisque vous disiez que Paul Biya tient toujours ses promesses. Pardon? Parce que vous disiez que Paul Biya tient toujours ses promesses, mais celle-là a déjà été faite et vous n'avez pas encore... C'est la dotation générale de la décentralisation. Non, écoutez, c'est 100 millions qui vont être versés. Tout à fait. Mais c'est pas encore arrivé. Il n'y a pas de doute à ça. C'est 100 millions qui vont être... Mais ces 100 millions, ce n'est pas de l'argent en espèce. C'est les projets. Vous comprenez? Vous devez maturer les projets à hauteur de 100 millions.
Et ces paiements sont faits directement ici. Ces trucs dont vous pouvez passer les marchés à Njombe Penya ou je sais pas à Bapingili ou machin, mais les paiements sont faits. C'est pas 100 millions en espèces qu'on remet aux maires. Alors, jetons donc un regard plus global sur la question de la décentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui le maire de Njombe Penya se dit désabusé devant les promesses législatives faites, c'est-à-dire que la loi a prévu que les CTD, les collectivités territoriales décentralisées, aient la main sur les communes en vue d'accélérer la décentralisation, une promesse hautement politique. On l'a réitéré au cours du grand dialogue national. Est-ce que avec le concert de disappointment que vous venez de signaler, vous vous sentez désabusé aujourd'hui? Bon, disons que personnellement, j'ai pas de raison de me sentir désabusé. Au contraire, je me sens plus fort encore à taper la main sur la table pour demander que ces affaires-là aillent très vite. Maintenant, c'est plutôt le peuple pour qui j'ai cru que la décentralisation est une manne venant de M. Biya, parce qu'il faut le dire. Contrairement à ce que les gens pensent, je vous assure, les textes sur la décentralisation au Cameroun sont tellement bien élaborés que M. Biya méritait d'être honoré par les gens qu'il a nommés. Vous comprenez? Mais Rodrigue, dans 2 mois, on va exactement faire 1 an que les assises du Grand Dialogue, n'est-ce pas, ont eu lieu. Qu'est-ce qui explique que 1 an après, alors que l'homme là, regardez l'âge de M. Biya, nous sommes des Bantous. 87. À son âge là, il mérite d'être respecté. D'abord par les gens qu'il fabrique, c'est-à-dire par nomination, mais ensuite par ses plus proches. Mais alors, qu'est-ce qui explique que vous soyez ministre des Mines, que vous ayez, je vais vous dire peut-être ce que vous ne savez pas, il faut que je le dise ici, et le ministre des Mines me suit, je suis allé à son bureau, écoutez-moi bien, je suis allé moi à son bureau, j'ai rencontré le ministre des Mines, le ministre des Mines m'a dit, monsieur le maire, je sais que je n'ai plus la main sur les carrières, il me suit. Je sais Gabriel que je n'ai Dodo, plus. Okay. Dodo. Dodo. Okay, je crois. Je sais que je n'ai plus la main mise sur les carrières. Mais sauf que, monsieur le maire, je souhaite que tu comprennes qu'au-delà de nos fonctions, vous êtes maire, moi ministre, il faudrait bien qu'un jour on s'assied, on se retrouve quelque part, on prend un pot au-delà de tout, au lieu de s'empoigner pour les histoires de carrière. Ça, c'est ce que ce ministre me dit. Et ce jour, le même ministre me dit, je suis choqué par cette loi sur la décentralisation. Je lui demande pourquoi, monsieur le ministre. Il me dit parce que il n'y a pas eu assez de cadres de concertation. Je dis qu'il me suit. Moi, je ne suis pas un affabulateur. Il n'y a pas eu suffisamment de cadres de concertation pour préparer l'arrivée de la décentralisation. Les choses se sont faites à la va-vite. Je t'assure, monsieur le maire, voilà les réserves que j'ai. Je lui dis, monsieur le ministre, est-ce que je peux donc passer à la télévision, dire que Paul Biya a promulgué une loi qui n'a pas été bien préparée? Il dit, je n'ai pas dit ça. Mais il n'a pas dit. Je dis qu'il me suit. Mais il n'avait pas dit. Ok. Maintenant, aussitôt que je sors de son bureau, moi je fais un compte rendu à mon ministre. Pourquoi je lui fais un compte rendu? C'est-à-dire au Mindevel. Et ce compte-rendu est écrit. Je lui fais le compte-rendu parce que le ministre des Mines, ce jour, me dit qu'il est en train de voir avec le Mindevel comment est-ce qu'on peut régler ces questions de carrière. Je lui pose maintenant la dernière question. Monsieur le ministre, la seule façon de régler les problèmes de carrière, c'est de changer les lois. Parce que la loi est déjà là, même si elle est mauvaise, c'est la loi. Comment vous allez faire avec le ministre? L'initiative des lois ne revient pas au ministre. Et donc, c'est pour ça que le jour où je vois le fameux message porté du ministre, je fais un lien entre ce que le ministre des Mines m'a dit
avant, et le texte que le ministre de la décentralisation a pris. Parce qu'en réalité, même si une loi est mauvaise, il faut d'abord l'appliquer. À propos du message porté, le fameux message porté, oui. Sur votre profil Facebook où vous publiez de temps en temps, oui. Le 9 juillet, vous écrivez un message porté, fax n'arrête pas ou ne suspend pas la loi. Pour favoriser le pillage de nos richesses, je ne vous laisserai pas humilier un chef d'État à ce point. Et il y a une autre publication que vous aviez faite sur un sous-préfet qui était venu à Pendja, et vous disiez fonctionnaires véreux et bandits qui viennent se remplir les poches en laissant les populations dans la pauvreté. Est-ce que vous insinuez que le Mindevel a des intérêts économiques particuliers chez vous à Pendja? Le Mindevel peut ne pas avoir des intérêts économiques c'est particuliers. C'est quelle zone politique dont vous parlez? S'il vous plaît. Oui. Le Mindevel peut ne pas avoir des intérêts personnels. Oui. Mais le Mindevel peut être influencé. Vous comprenez? Parce que ce que vous ne savez pas, peut-être vous le savez, la pouzzolane est la matière première du ciment. Et les premiers, en termes de fabrication de ciment, c'est les Français. C'est Siemens. Non, s'il vous plaît. Si, rappelez non, qu'il y a Dangote. Sur le plan du marché, les premiers, j'ai dit les premiers, oui, mais les gens les autres placés, aussi, sinon, premier, voilà. Maintenant, les seconds. Mon souci, c'est ne pas faire les seconds, voilà, s'il vous plaît. Les seconds. C'est Dangote, vous avez maintenant Simaf, voilà. Vous avez d'autres entreprises. Il faut citer tout le monde. Si mais maintenant, vous devez savoir une chose. Vous voulez que je vous informe de la situation de la commune de Mombo? La commune de Mombo est à 6 mois d'aéré de salaire. Je voudrais vous dire que la commune de Mombo, cette société-là, exploite la pouzzolane comme matière première de la commune de Mombo depuis une vingtaine d'années. Je dis bien une vingtaine d'années. Même par simple souci de contribution sociétale, cette entreprise ne peut pas laisser 6 mois d'aéré de salaire à la commune de Mombo. Et du coup, quand le Mindevel se prête à ce jeu, j'ai peur de l'appeler ministre de la centralisation. Pourquoi? Parce que regardez bien son message porté. Son message porté reconnaît au maire les compétences, la compétence en question. Parce que depuis les débats dans le Mungo avec les préfets, c'est que vous n'avez pas cette compétence. Mais le Mindevel, dans son message porté, dit bien que vous avez ces compétences. Donc il n'y a plus de discussion là-bas. Suivez bien une vidéo de Canal 2. Mais demande de suspendre. Oui, et je lui dis, monsieur le Mindevel, pour une fois, respectez Paul Biya. Paul Biya mérite d'être respecté pour une fois. Je suis d'accord avec lui pour une fois. C'est-à-dire que pour moi, la décentralisation est une manne qu'il nous a donnée. La décentralisation est une manne qu'il a donnée aux communes qui ont des richesses. Mais pour le Rikingé. Non, s'il vous plaît. Pour le Rikingé, il y a quelque chose d'important. Je ne suis pas un opposant qui s'oppose à tout. Oui, on a compris. Pour une fois, s'il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Je dis que M. Biya a opté pour la décentralisation. Nous devions pouvoir l'accompagner dans cette décentralisation, tout au moins pour le bien de nos populations. Mais pas question, forcément question, pour lui. Question pour le Rikingé. Oui. Vous attendez les textes d'application de qui? Pardon? Vous attendez des textes d'application de qui? Le décret n'est pas signé par Paul Biya. Mais qui est les textes garant, d'application sont signés qui par qui est le garant des textes? Non, 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 je dis que Rikingé, vous avez fait des études s'il de droit. Vous, plaît, vous avez fait des études de droit. Non. Qui est le garant des le textes? Le problème n'est pas d'être garant. Oui. Le problème, non, s'il vous plaît, le problème n'est pas d'être garant. Vous pouvez être entouré des gars qui ne foutent rien. Non, mais pour des paresseux. Et c'est le cas en ce moment. Il y a des paresseux. Le ministre des Mines est un paresseux. Non, s'il vous plaît, pour s'il vous plaît, vous voulez, vous non, voulez nous s'il dire, vous plaît. Non, vous voulez nous dire, jusqu'à présent, qu'est-ce qui explique que le ministre des Mines n'ait pas préparé le texte que le Premier ministre doit signer? C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui signe. Mais il ne signe qu'un texte qui vient. Est-ce que vous avez la preuve que le texte n'est pas déposé chez le Premier ministre? Il signe un texte qui vient de son ministère. Bon, maintenant, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, s'il vous plaît, ne me coupez pas.
Je vais vous dire pourquoi je pense que, et excusez-moi, le ministre des Mines est libre de m'amener au tribunal, excusez-moi. Mais avec nous, si c'est avec nous, c'est compliqué. S'il vous plaît. Parce que c'est sous notre antenne. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un personnage dans le Mungo qu'on appelle le délégué des Mines. C'est ce personnage qu'on met, que le préfet met devant. C'est lui donc qui fait ce qu'on appelle la prospection. Ce personnage m'a écrit au moins 4 fois pour me dire non, ce n'est pas vous qui êtes compétent. Vous avez vu ces écritures le pour dans les réseaux sociaux. Les courriers sont là dans les réseaux sociaux. On va voir le courrier. Les courriers sont dans les réseaux sociaux. Le temps que nous suspendions l'interview pour prendre le débat. Vous allez entrer au fond de la question tout à l'heure avec un expert des questions de décentralisation. Nous avons invité sur ce plateau Henri Severin Assembe, je le signalais, il est le promoteur du programme supérieur de spécialisation en finances publiques et il est notamment entré dans le couloir, il s'est engouffré dans la brèche des politiques publiques au niveau local. C'est le moment du duel. Henri Severin Assembe, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Je vous souhaite bienvenue sur le plateau. Le plaisir est partagé. Okay. Je voudrais quand même apporter un correctif. C'est l'administrateur directeur de l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation. Dans une autre vie, j'ai eu à conduire sur ces fonds baptismaux le programme supérieur de spécialisation en finances publiques, qui est le projet d'Institut des finances publiques du Cameroun. Donc vous êtes le promoteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous êtes senti interpellé dans la première partie de cette émission? La première partie a été assez intéressante. Je note que mon vis-à-vis est un combattant qui porte fièrement sa casquette. Et je voudrais tout de suite lui poser la question de savoir à quel titre est-ce qu'il souhaite que nous puissions échanger. Maire de Ndjombe Pendja, président élu local, président d'un parti politique, parce que les deux choses vont structurer la nature de l'échange que nous aurons. Monsieur le maire. Je préfère qu'on discute sous la coupe de ma casquette de maire. Puisqu'on parle de décentralisation. Parce qu'on parle de décentralisation. Monsieur le maire, décentralisation, monsieur le maire, signifie que vous êtes dans une activité purement administrative, c'est-à-dire soumise aux lois de la République dans votre esprit républicain. Qu'est-ce qui fait votre succès à Ndjombe Pendja? Vous avez été en prison, vous n'étiez plus maire, vous êtes revenu, vous êtes passé haut la main. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui fait votre succès? Ce qui fait mon succès, si vous appelez ça succès, c'est le fait que je suis très proche de mes administrés. Même lorsque je n'étais plus aux affaires, je suis très proche de mes populations. Je me sens quelquefois très à l'aise de marcher à pied toujours. Hein. Moi, je suis presque toujours à pied à Ndjombe Pendja. J'entre dans presque toutes les cuisines. Je m'assois avec les mamans. Hein. On partage. Parfois, j'ouvre même leur marmite. Vous comprenez que ce type de proximité peut amener les gens à dire « Mais pourquoi devons-nous aller chercher loin ?» un maire alors que nous avons notre enfant qui est avec nous au quotidien. Donc moi j'ai compris qu'en politique, aussitôt que vous vous positionnez comme une élite, ça sécrète des attitudes élitistes et donc des attitudes détachées de votre environnement. Et moi, l'ayant donc compris, depuis des décennies, j'ai dit « Ok, moi je vais vivre avec la population, je serai avec la population. » Lorsque ceci est dit, vous parlez avec beaucoup de passion de la commune de Ndjombe Pendja, ça signifie que vous la connaissez. Quel est son poids économique? Parlez-nous en termes de chiffres. Quel est son poids économique? S'il vous plaît, si la commune de Pendja avait évolué sans entrave, la commune de Pendja, je vous prends... Qu'est-ce qu'elle vaut, commune de Ndjombe Pendja? S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Passons, vous pensez aux téléspectateurs. Il faut penser aux téléspectateurs. La commune de Ndjombe Pendja est le plus grand scandale, l'un des plus grands scandales dans ce pays, un peu comme le scandale de l'Est. Scandale géologique. Géologique.
d'abord avec un sol extrêmement riche. Monsieur le maire, je voudrais des chiffres. Nous les sommes chiffres, dans une dans je un viens de commettre une étude, s'il c'est vous plaît. Quoi le poids économique le poids, de la commune s'il vous de Ndjombé-Pendja? C'est plus le poids. Si nous ne pouvons pas avoir une réponse, non, je vous suggère permettez-moi de répondre. Permettez-moi. Indicateur. Je viens de commettre par appel d'offres une étude que j'ai, dont j'ai reçu déjà le rendu. Les carrières à elles seules apporteraient à la commune de Pendja annuellement 48 milliards de francs CFA. Les carrières à elles seules. Je ne parle pas des contributions de la bananeraie. Je ne parle pas des contributions agricoles. Donc je ne parle pas des revenus. Parce que, vous savez, Ndjombé-Pendja, c'est un des grands bassins agricoles dans ce pays. Qui supporte pratiquement toutes les populations de Douala. Ndjombé-Pendja, c'est de la banane. C'est le seul poivre labellisé du monde. C'est l'ananas. C'est tout ce que vous avez comme vivre sur le marché, pratiquement, le macabo, le manioc. En Ndjombé-Pendja, lorsque vous avez mis un plantain, même sur le caillou, il pousse. Monsieur mais je n'ai pas fini. Savoir, est-ce que je vous conclue, avez évalué je, voulais qu'on, je vous dis que ouais. J'ai fait une seule évaluation pour l'instant. Et c'est un travail rendu, c'est un travail commandé par la commune. 48 milliards de francs de recettes annuelles seulement sur les carrières. Je note que le maire de la commune de Ndjombé-Pendja ne connaît pas le poids économique de sa commune. Passons pour cette année. J'ai peur que vous ayez eu les mauvaises informations sur la commune de Ndjombé-Pendja. Combien d'emplois? C'est moi qui dois vous dire ce que pèse Ndjombé-Pendja. Vous faites partie des promoteurs de l'emploi dans la commune de Ndjombé-Pendja. Ouais. La commune de Ndjombé-Pendja pourra créer combien d'emplois au terme de l'exercice 2020? Au minimum. Votre quinquennat, vous voulez créer combien? Au quinquennat, au minimum 1200. Et comment? Oui. Ok. Peut-être que j'aurais pas voulu parler comme quelqu'un qui est en pleine campagne électorale. Vous comprenez? Mais voici. Mais il y a des régionales. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Il est sur un terrain. Ouais. Il est sur un terrain où je me sens à l'aise. Ouais. Je voulais vous dire, le premier projet. La commune est en train de viabiliser 300 hectares de terre pour créer ce qu'on appelle la prairie d'été. La prairie d'été en Ndjombé-Pendja. Ça veut dire que c'est des jeunes pris dans tous les quartiers, les jeunes chômeurs, que la commune est en train d'organiser sous forme de GIC. Ils sont 400. Qui vont occuper 300 hectares de terre pour ne produire que toutes les feuilles qui concourent à la fabrication des thés. Nous notons que vous allez créer s'il vous plaît emploi. Et ça c'est à court moyen terme. À court moyen terme. Maintenant, j'ai pas fini. La commune, le plus gros projet de la commune de Pendja, c'est que en ce moment, ce dossier, je l'ai, et d'ailleurs c'est ce dossier qui m'a amené, nous sommes en train de demander le reversement du domaine privé de l'État, du domaine public, du domaine de l'État à la commune de Pendja parce que nous sommes co-gestionnaires, je l'ai dit, la commune est co-gestionnaire avec l'État du territoire camerounais, nous sommes en train de le demander pour créer la première zone industrielle communale du Cameroun, c'est-à-dire que la première zone industrielle communale du Cameroun, qui commence par la mise en place en Ndjombé-Pendja de près de 4000 hectares de manioc. Transformable sur le terrain, s'il vous plaît. Transformable sur le terrain avant. Monsieur le maire, nous allons rentrer dans le dur. D'accord. Lorsque ceci est compris, je voudrais quand même savoir. Depuis quand est-ce que nous parlons de décentralisation au Cameroun? Quand est-ce que la décentralisation... Depuis 2004, formellement. Non, je... Non, la loi a... Les lois, c'est depuis 20 ans. Mais je dis formellement. Quand je dis formellement, les premiers textes sur la décentralisation, c'est les textes de 2004. C'est les textes de 2004. Disons quand même que le Cameroun est une république unitaire et décentralisée depuis... Depuis 2004. Depuis le 2 juin 1972. Lorsque c'est passé... Décentralisé, vous parlez de quoi?
Non, il ne faut pas donner de mauvaises informations à nos enfants. Je ne vous apprends pas votre travail. S'il vous plaît. Quel est le parcours d'une délégation? Qu'est-ce qui fait une délégation? La constitution du Cameroun vient de changer. Et voici l'extrait de la constitution du Cameroun, cher monsieur. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Nous avons des enfants qui vont à l'école. C'est la raison pour laquelle on... Non. Nous avons des enfants qui vont à l'école. Qu'est-ce qui fait une délégation? Le Cameroun, non, s'il vous plaît, vraiment. Corriger ça, parce que moi je ne veux pas que les enfants aillent à l'école échouer leurs examens. Corriger ça et rapidement, Rodrigue, je souhaite vraiment que cela soit corrigé. Monsieur le Cameroun est un État décentralisé depuis seulement le 2 juin 1962. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ne confondez pas la publication des lois d'orientation non avec la Constitution. Non, nous étions un État déconcentré. On n'était pas un État décentralisé. Nous étions un État constitutionnellement décentralisé. Non, nous étions un État. Écoutez, vous s'il vous plaît. Ne le dites pas. Henri Séverin Assembé. Moi, je suis choqué par le Kingé. Le Cameroun, depuis la constitution du 2 juin 1972, cette constitution confère aux communes un cadre juridique en faisant d'elles des personnes morales en droit public. Monsieur King, qu'est-ce que vous faites? D'une autonomie, s'il vous plaît, d'une autonomie. Pensons au public. Jouissant d'une autonomie financière, juridique et administrative, la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé depuis le 2 juin 1972. Monsieur King, qu'est-ce qui fait une délibération? Pardon? Qu'est-ce qui fait une délibération? Vous avez une délibération municipale. Oui. Vous avez dit, sur la base des délibérations, vous avez procédé à un ensemble d'activités délictueuses, délictuelles. Pourquoi vous appelez ça délictuel? Pourquoi vous dites délictuel? Qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit? J'y reviendrai. Répondez à ma pourquoi question. Pourquoi vous parlez de délictuel? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Non, qu'est-ce quelle qui fait est votre question? Mais enlevez le mot délictuel. Une délibération, un projet... On peut se priver des épithètes. Un projet ne devient délibération que lorsqu'il est approuvé par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Façon. Non, vous savez, vraiment, je ne sais pas. Non, mais c'est pas pédagogique ce que vous faites. Ce que vous faites n'est pas pédagogique. Je comprends simplement monsieur, le maire de la commune de Ndjombe Pendja ne connaît pas le cadre. Non, vous ne pouvez pas, ce n'est pas ça votre rôle. Il suffit pas de Je suis choqué. Une délibération, un projet de délibération adopté par le conseil municipal n'entre en vigueur qu'après son approbation par l'autorité. Mais vous dites tout ce que vous dites est faux. Voilà. Permettez-moi maintenant de répondre et de vous dire pourquoi c'est faux. Et référez-vous à la loi. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire pourquoi c'est faux. Lisez l'article 76 qu'est-ce qu'il dit de la loi. Si vous le connaissez, lisons, je peux lire pour vous. Voici, commençons par l'article 74. Les actes pris par les collectivités territoriales sont transmis aux représentants de l'État auprès des collectivités par courrier recommandé et après dépôt de services compétents sont contre-accusés de réception. 75. Les décisions individuelles réglementaires prises par l'exécutif sont applicable de plein droit et autres. Toutes les délibérations, toutes les décisions, individuelles, sont de plein droit appliquées. Mais maintenant, que dit la loi? Article 76. Oui. Voici les seuls points sur lesquels le préfet intervient sur une délibération. Voici ça. Mmh. Par dérogation aux dispositions des articles 74, 75, demeure soumis à l'approbation préalable du représentant de l'État et transmis au responsable local du ministère chargé des collectivités territoriales les actes pris dans les domaines suivants. 1. Les budgets et comptes des autorisations spéciales. Oui. Les emplois, les garanties d'emprunt, les conventions, les conventions internationales, les affaires domaniales. Lorsqu'il n'y a rien de tout ça, ça ne relève pas de vous la... avez répondu vous-même à votre question. Nous sommes dans le dur. Est-ce que vous êtes convaincu de ce que je dis? Vous avez répondu vous-même à votre question. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez au moins dire aux Camerounais que c'est ça? Les Camerounais ont compris que vous ne comprenez pas de quoi il est question. Quel est le processus transfert des compétences? Non, on va parler. Je ne mettez pas de jugement de valeur. Vous avez fait confiance, je suis de hauteur mal placé. Je vais vous dire, nous sommes là pour enseigner les enfants. Mes propos. Nous sommes là pour enseigner nos enfants. Monsieur le maire, voici les seuls actes sur lesquels le préfet agit.
Mais lorsque vous prenez tous les autres, les actes, je voudrais vous dire, les actes de gestion quotidienne sont d'application immédiate. C'est-à-dire que si vous prenez une délibération qui concerne les actes de gestion quotidienne, la délibération n'est pas soumise au préfet parce qu'elle n'entre pas dans le cadre des actes cités à l'article 76 du Code général de la décentralisation. Monsieur le maire, nous pouvons continuer. Non, il faut faire attention. Moi, je suis un vieux maire. Oui. Vous ne pouvez pas tenir des discussions condescendants devant pas de jugement, pas de jugement, s'il vous plaît. Je retire mes propos. Oui. Retirez ça, merci. Merci d'avoir retiré. Quel est le processus qui consacre le transfert des compétences maintenant dans l'opérationnalisation? Mais moi, j'ai l'impression que vous pensez que je suis un élève. Hein. Non, je vous amène. Mais nous n'aurons que 30 minutes, mais malheureusement. Vous dites quel est le processus? Nous allons y arriver. Le processus, si nous souhaitons aller vite, c'est la loi, c'est le décret d'application et c'est l'arrêté qui met en place le cahier des charges. Non, je vous dis non, je continue à vous dire non. Nous ne sommes pas de la même école. Est-ce que nous... Je vous dis que moi, je suis un puriste. C'est-à-dire... Je suis un puriste en droit. C'est-à-dire que lorsque une loi est votée, elle est d'application immédiate. On dira votre pas discours là ne passe pas dans mes oreilles. Moi, je suis un puriste. Monsieur Maintenant, King. Vous êtes libre d'avoir vos convictions. Monsieur King. Vous comprenez? Oui. Monsieur King. Oui. Et si nous reprenons la loi en son article 18, qu'est-ce qu'elle dit? Mais... La loi dit en son article 18, les collectivités territoriales exercent à titre exclusif les compétences transférées par l'État. Oui. Un décret du Premier ministre précise les modalités à l'application du présent article. Mais monsieur, je sais... Ça, c'est la loi. Mais je vous ai dit... J'ai d'ailleurs répondu... De quelle loi parlez-vous? J'ai déjà répondu à cette question ici. J'ai dit que je fais partie des gens dans ce pays qui croient que lorsqu'une loi est promulguée, elle est d'application immédiate. Et donc, je ne souscris pas à cette disposition. Mais maintenant, en admettant même que cette disposition s'impose, elle vient simplement confirmer qu'il n'y a pas encore... Alors, je voudrais... Henri Séverin, c'est mais... Oui, ça veut dire que le maire n'a encore aucune compétence. Qu'on comprenne. Mais maintenant... Qu'on comprenne. Alors, est-ce que, puisque Paul-Éric King évoque les questions d'école, est-ce que vous êtes de l'école qui pense que tant qu'il n'y a pas de texte d'application, on n'applique pas la loi? Moi, je suis républicain. Oui. Et dans le cadre de la République du Cameroun, si nous parlons de décentralisation, c'est le cadre normatif qui accourt, qui fait de nous des citoyens de cette République et qui pose, qui encadre les activités que nous sommes susceptibles de mener. En son article 18, le Code général des collectivités territoriales décentralisées dit clairement que les collectivités territoriales exercent à titre exclusif les compétences qui leur sont transférées par l'État. Cela suppose que ces compétences sont au préalable, c'est-à-dire en amont, avant la décentralisation, exercées par l'État, qui décide à un moment donné de s'en dessaisir afin qu'elles soient exercées par les collectivités territoriales décentralisées. Afin que cet exercice soit équilibré, bien perçu et défini dans son détail, cela nécessite un décret du Premier ministre et plus loin, l'arrêté portant cahier de charges initié par le ministre initiateur de la compétence à transférer. Parce qu'en la réalité... Je reviens à ma question. Oui. Est-ce qu'en attendant le décret d'application, on n'applique pas la loi? Si nous sommes citoyens dans, dans la République, nous sommes en situation d'attendre le cadre réglementaire qui va accompagner la mise en œuvre de la loi. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas encore de décentralisation. Il n'y a pas encore de décentralisation. La décentralisation... Non, dites-le, que tout non, le monde... Non, non, politique, ne le perturbez pas. La décentralisation... On veut renseigner le public. La décentralisation est mise en place, mais a besoin pour certains éléments... Elle est mise en place. Non, Paul-Éric King, laissons... Elle est mise en place et a besoin pour certains éléments de cadre d'approfondissement pour quels permettre et faciliter notamment le transfert des compétences et la compétence querellée, celle qui concerne l'exploitation des substances minérales non concessibles. Pourquoi c'est seulement cette disposition? Ça fait partie des compétences. Mais monsieur, l'article 18 dont vous parlez, il faut le dire aux Camerounais. Vraiment, moi, j'ai gagné 5 procès, l'État 5 fois. Hein. Je suis un puriste. Vous êtes un combattant. Je suis un puriste. J'ai dit gagner sur le plan du droit, dans ses propres juridictions. Parce que j'ai fait tomber cet État 5 fois dans ses propres juridictions. Parce que je lis la loi
dans ses derniers méandres. Vous comprenez? L'article 18, alinéa 2, auquel vous faites allusion. Alinéa 3. Alinéa 3, auquel vous faites allusion. S'il est admis tel que vous le présentez, ça veut dire que toutes les compétences doivent attendre le texte d'application. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que, on ne saurait comprendre que de toutes les compétences qu'on ne soit venu tirer que la compétence sur la carrière. Bon, maintenant, je vais vous dire en tant que maire, quand le Mindevel nous écrit, il dit, messieurs les maires, au regard des compétences qui sont les vôtres, vous devez construire les barrières pour les écoles primaires. Il nous écrit comme ça, pourquoi? Puisque les compétences ne sont pas encore transférées, tout ça attend les textes d'application. Pourquoi il nous écrit comme ça? Ça veut dire, c'est deux choses ou l'une. Soit lui-même ne comprend pas ce qu'on appelle la décentralisation et il est donc le ministre de la centralisation. Soit il doit se remettre à l'école de la décentralisation pour comprendre le ministère qu'il porte. Parce que vous ne pouvez pas écrire aux maires. Alors qu'il y a un ministre de l'éducation de base. Mais vous rappelez aux maires. Ça, c'est des messages portés qu'il nous envoie là. Je parle là de ce que nous recevons chaque jour de lui. En vertu des compétences qui vous sont transférées, et au regard de l'insécurité qui règne dans le pays, et par rapport à Covid, je vous demande d'encercler les écoles primaires de barrières, de clôtures. Il nous parle d'abord de compétences. Il nous dit d'entrer maintenant dans les compétences du ministre de l'éducation de base. Il s'appuie sur quoi? C'est quand ça concerne la carrière qui prend son bit. Alors qu'on vend le sable à ça et à Obala, là-bas, il ne voit pas ça. Ndiobe Penga, il dit que le maire doit s'asseoir et attendre que la compétence soit transférée. Ne prenez pas Paul Biya pour un fou. Vraiment, pour une fois, honorez le papa là. Permettez-lui de bien sortir. Qui a nommé le ministre de la décentralisation? Non, je dis que il est possible. Nous sommes des chefs d'entreprise. Moi, je suis un chef d'entreprise avant d'être maire. Il est possible qu'à un moment donné, tu aies un employé ou deux employés qui ne comprennent pas grand-chose à la philosophie de ton entreprise et tu n'es même pas au courant. Parce que, tu sais, le système est fait au Cameroun tel que on masque même les insuffisances. On masque les insuffisants, c'est presque des incompétents qui dirigent. Mais ce n'est pas les ministres qui ont pris la loi de 2004 qui n'a jamais été appliquée. Monsieur Biya définit. Monsieur Biya définit. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, vous allez écouter ma question. La loi spécifique ou applicable aux collectivités décentralisées a été promulguée en 2004. Oui. On n'a pas attendu le ministre de la décentralisation pour sa mise en œuvre. Mais jusqu'en 2020, ce n'était pas le ministre. Vous savez, c'était le président de la République. Non, vous savez qu'il y a eu une loi spéciale qui a été prise après un dialogue national. Et le spécial. Non, s'il vous plaît. Le spécial emporte sur le général. Et le spécial emporte sur le général. Maintenant, je dis que, à partir du moment où la volonté de celui qui dirige ce pays est de donner aux Camerounais la décentralisation, les gens qui l'accompagnent doivent l'aider à implémenter sa volonté. Parce que je suis choqué qu'un homme de 87 ans soit plus habile qu'un ministre de mine qui n'a pas encore 50 ans ou 60 ans. Moi, je suis choqué. Vous savez au moins, c'est connu de notoriété, le système de Yaoundé est jacobin. Ce n'est pas un ministre qui fait le système. Oui. Le système est centralisé. Le système centraliste. Le système. Est-ce que c'est nouveau, ça, Henri Segrand Assembé? Est-ce que c'est nouveau pour vous également? Vous dites qu'il est centralisé aussi. Est-ce que le système de Yaoundé n'est pas jacobin? Il est centralisé aussi. L'organisation de l'État est fondée sur une culture jacobine, voilà, qui est en train de subir une transformation profonde, d'où le concept de la décentralisation qui accompagne d'autres programmes tels que la gestion axée sur les résultats, la professionnalisation, qui refont confiance aux citoyens, lui permettent d'exprimer, de mobiliser ses capacités productives, monsieur, afin que nous puissions arriver... Quand on nomme un ministre, un an après, il n'a pas encore préparé un arrêté. Il fait quoi dans un tel gouvernement?
Il bon, doit démissionner. On avance. Je suis président de la République. Ce monsieur, je prends un décret pour l'enlever immédiatement. Monsieur le maire, vous comprenez? Monsieur le maire, vous comprenez? Les maires, écoutez, nous devions être les bénéficiaires de cette, mais pour le de cette loi. Vous avez peur d'accuser le président de la République? Non, je n'ai pas peur de l'accuser. Il a fait ce qu'il a fait. C'est pas à lui de préparer. Mais qui est le garant des textes? Non, c'est pas à lui de préparer les arrêtés. Nous avons dit aux téléspectateurs que c'est un ministre. Non, il a des collaborateurs. Ah, d'accord. S'il prend des collaborateurs qui sont paresseux, ça n'engage que ses collaborateurs. Et il mérite d'être sanctionné. D'accord. Qu'est-ce qui explique qu'un an après, vous savez que au moment où on prend cette loi, il y a deux camps. Un camp des fédéralistes, un camp pour la décentralisation. Monsieur Biya estime que pour son pays, en tout cas pendant qu'il est là, c'est la décentralisation qu'il faut. Je me situe d'abord comme un bantou. Je vois son âge. Je dis qu'il faut respecter cet homme. Je me situe maintenant comme un président de parti politique. Je dis, ok, je vais aller lire les textes sur la décentralisation pour comprendre si je dois amener mon parti à l'élection. Je finis de lire ces textes, ils me convainquent, je fonce. J'aurais pu boycotter les élections, comme les autres. Mais j'ai dit, j'y vais. Ok? Maintenant, j'arrive, je pense que nous sommes donc en plein dans la décentralisation. Le ministre Mindevel décide. Et là, c'est dans cela que c'est même trop grave. C'est-à-dire qu'au milieu de plusieurs compétences, il fait un choix. Il tire au sort les carrières. Alors que l'article 18, s'il vous plaît, alors que l'article 18, en son alinéa 3, dit que un décret d'application sera pris par le Premier ministre. Cet article, en le disant, met entre parenthèses toutes les compétences, c'est-à-dire celles sur la santé, celles sur l'école, celles sur la jeunesse, celles sur tout et celles sur tout. Mais seulement, ce qui intéresse mon ministre, c'est là où il y a des milliards. La carrière génère des milliards. Et moi, je dis que ça me pose un problème sérieux. Il faut que le Mindevel... Ça, vous l'avez déjà dit, vous l'avez dit. Il faut que le Mindevel prenne ses responsabilités. Nous avons encore seulement et recense un peu les choses pour permettre que ce pays avance. Monsieur Kingé, il faut quand même noter que 62 compétences de première génération ont été transférées et ont achevé le parcours du transfert de compétences, notamment la loi, le décret du Premier ministre et l'arrêté du ministre initiateur du transfert de la dite compétence. À partir de cela, nous souhaitons savoir... D'autres ministres ont déjà fait leur arrêté. Nous souhaitons, oui, nous souhaitons savoir... Vous faites du populisme. Je ne fais pas du populisme. Ou simplement vous je revendique. Non, je revendique. Simplement je vous ai entendu. J'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous, j'ai entendu quelqu'un le dire à Vision 4. Mais nous sommes à Canal 2. S'il vous plaît. Nous sommes à Canal 2 et vous avez des questions. Je ne fais pas du populisme. Vous comprenez donc pour quelle raison vous plaît. Je vous ai posé la question sur l'identité. Je ne fais pas du populisme. Vous voyez donc la différence. Je pose un problème réel auquel sont confrontés. Je pose un problème réel auquel sont confrontées les communes au Cameroun. Je vous dis que, conformément à l'article 390 du Code général sur la décentralisation, les carrières font partie des ressources des communes. Des on l'a dit, ça on l'a dit. En attendant même les dotations, on l'a dit. Chaque commune se serait fait ses propres moyens. Mais regardez un État qui doit gérer le Covid, qui doit gérer ci, qui doit gérer ça. Et se trouve encore dans l'obligation d'aider les communes. Vous n'avez simplement qu'à libérer les communes et leur dire allez exploiter vos biens et faites-vous de l'argent, ne comptez plus sur l'État. Monsieur le maire. Je vous assure, vous le faites, ma commune a 48 milliards chaque année. Monsieur le maire. Et j'offre à chaque citoyen de Ndjombe Penda une maison. Monsieur le maire, là, vous embarrassez la loi. Ah. Jusqu'où comptez-vous aller? 48 milliards, ça donne une maison à chaque citoyen de Ndjombe Penda. Ils sont combien? Vous... J'ai 101 000 habitants. Vous embarrassez. 48 milliards par an fois 5 ans.
J'offre une maison de 6 millions à chaque Camerounais de Diomé Pendja. Dès lors que vous vous mettez en marge de la batterie normative qui gouverne la région. Je ne me mets pas en marge de la batterie normative. Jusqu'où comptez-vous aller? Je fais partie de ceux qui sont venus défendre les plus faibles. J'ai l'impression que vous croyez que c'est une affaire de Diomé Pendja seulement. Je vous ai parlé de Mombo. Mombo qui a 6 mois d'aéré de salaire. Je peux vous parler des EKA, je peux vous parler d'autres communes au Cameroun. Moi, je suis un combattant des libertés. Je ne suis pas un gars qui fait du buzz. Je suis un combattant des libertés. J'ai fait la prison pour les libertés. Et c'est trop donné que de faire la prison pour les libertés. Donc on ne peut pas penser que je suis dans une telle démarche pour faire du buzz. Il faut qu'on apprenne à changer les choses dans notre pays, qu'on apprenne d'abord à respecter les lois. Vous faites des lois que vous-même vous ne respectez pas. Dites-moi un peu, est-ce que l'article auquel vous faites référence là a donné des délais au ministre? Il ne donne pas de délais au ministre, n'est-ce pas? Parce qu'on peut faire attendre les gens comme ça pendant 6 ans, pendant 40 ans, pendant 70 ans. Mais pourquoi les gens du RDPC, les ministres que Paul Biya nomme, pourquoi ne peuvent-ils pas l'honorer, lui, en disant que papa est en train de partir pour eux? C'est leur papa, puisque c'est lui qui les nomme là. Donnons-lui le plus beau cadeau de sa vie, de telle sorte que quand il sort, il sait qu'il a laissé un État décentralisé réel. Pourquoi on ne lui rend pas ce service? Monsieur le maire, là vous avez engagé... Pourquoi on ne lui... Non, là maintenant je parle comme un... Non, mais le débat c'est avec lui, ce n'est pas avec eux. Monsieur le maire, là vous avez engagé une épreuve de force. Est-ce que... Non, il n'y a pas d'épreuve de force. Je ne suis pas dans l'épreuve de force. Mais je viendrai chaque jour. Mais vous avez fait posé... recours à la justice. Vous avez posé des scellés sur... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas fini. Parce que moi j'ai peur que cette émission finisse sans que je dise ce que j'ai à dire. Hein. Ah. Jusque là, vous avez. On est 120 minutes. La question que je vous pose, je suis en train, s'il vous plaît, j'ai saisi la justice. D'abord pour des questions, pour que la justice nous dise si la note du ministre, le message porté du ministre peut faire bouger la loi. J'ai saisi le juge administratif pour qu'il réponde à cette question. J'ai saisi le juge administratif pour qu'il réponde à la question de savoir. Si un décret d'application peut induire... Nous aurons la réponse du juge administratif. Si le décret d'application doit mettre en mouvement une loi, j'ai saisi le juge administratif pour ça. On a des plaintes au pénal. Maintenant, j'ai des plaintes au pénal contre le préfet du Mungo pour utilisation abusive de la force publique. Ça, c'est de 2 à 4 ans d'emprisonnement ferme. J'ai porté plainte, n'est-ce pas, contre le commandant de groupement de Nkonsamba, parce que c'est lui qui est descendu avec ces éléments, non pas pour disperser, non pas pour apporter la force à l'autorité civile que je suis, mais pour détruire les guérites qui ont été construites avec l'argent du contribuable, parce que c'est les communes de Pendja. C'est la commune de Pendja qui a construit ces guérites. Je n'avais jamais su, et ça je ne l'ai vu nulle part, sauf de l'autre côté là, j'avais jamais vu où un homme en tenue peut se substituer en Superman et détruire les biens publics. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent que la commune c'est une affaire privée. La commune c'est un bien public. Vous l'avez dit. Dans le cas où le tribunal administratif, le juge administratif ne vous suit pas pour ce qui concerne la réaction de la centralisation. Mais attends, je m'aligne. Il y a des voies de recours. Non, il y a des voies de recours jusqu'à ce qu'on arrive à la voie de recours. Jusqu'à la chambre administrative. Mais je vous dis. Si la chambre administrative. Je m'alignerai donc en ce moment. Il n'y aura pas de rébellion, on espère. Non, mais de toute façon, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, et ça, je prends tout le Cameroun à témoin, je ferai descendre les 20 000 populations, au moins 20 000 personnes, dans mes carrières pour les sécuriser. Personne ne prendra. Mais vous avez saisi la justice. Vous avez saisi la justice pour le Rikingé. Vous saisissez la justice alors que vous n'avez pas foi en elle. Pardon?
La question d'Henri Sévérin, c'est celle de savoir est-ce que après le tribunal, si la justice ne après le, la requête à la Cour suprême, éventuellement. J'amènerai mon peuple maintenant à se substituer, à finir. La justice, lorsqu'elle aura fait. Vous dans la justice sans avoir confiance en elle. Non, je lui fais confiance. Mais vous allez donc vous plier à ses décisions. Pour l'instant, vous n'allez pas recourir au peuple. Non, écoutez, cher monsieur. C'est de la rébellion. Cher monsieur, je voudrais vous dire. Oui. Je voudrais vous dire. Oui. En Afrique du Sud, l'apartheid, c'était aussi des lois. Oui. Mais les gens se sont levés. Ils se non, sont mais révoltés. Brigue la magistrature suprême et changer les lois. Non, mais allez, non, ayez non, la je majorité. Dis qu'en Afrique ayez, du Sud, ayez la majorité. En Afrique du Sud, l'apartheid était aussi des lois. Ayez la majorité. Auxquelles on pouvait se soumettre. Est-ce que mais les gens là-bas ont dit, nous ne nous soumettons pas. Parce que si c'est une loi qui ne vise qu'à affaiblir les plus pauvres, je dis qu'il faut que ça s'arrête. Le Mungo a déjà beaucoup donné, le Cameroun a beaucoup donné, Ezeka a beaucoup donné, l'Est a beaucoup donné, il faut que ça s'arrête. Mais ayez la majorité à l'Assemblée nationale et modifiez les lois. Pardon ? Ayez la majorité au Parlement, vous savez, modifiez les lois, briguez la magistrature suprême, briguez les lois, voilà les, vous savez comment les institutions qui ont l'initiative. Vous savez lois. Comment ça se passe pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale ? Oui. Vous le savez. Comment vous avez fait pour être maire ? Ah non, mais attention. Ce sont les mêmes méthodes. Non, mais écoutez, vous savez, le système maintient les hommes politiques dans la paupérisation, dans la pauvreté. Non. Du coup, non, s'il vous plaît. C'est le même système électoral non, s'il vous qui plaît. Vous a permis d'être maire. Non, s'il vous plaît. Moi, si j'avais les moyens suffisants, j'aurais investi au moins dans 200-300 communes au Cameroun, sur les 376. Mais quelle est la stratégie du système ? C'est de maintenir toutes les populations du Cameroun dans la pauvreté, au point où si quelques-uns sont illuminés et veulent lever la tête, qu'il n'ait que de petits subsides pour mettre en branle leurs ambitions. Vous comprenez ? Voilà le vrai problème au Cameroun. C'est-à-dire que pour que vous renversiez la majorité du Parlement, là, il faut investir les gens dans toutes les unités de ce pays. Et vous savez que sur le plan financier, c'est presque impossible. Il faut aussi les gars utilisent les moyens de l'État pour préparer leur obésité au sein du Parlement. Ils utilisent les moyens de l'État, vous n'avez qu'à voir. C'était pas là le débat. C'était pas là le débat. Mais on sort du duel. Monsieur le maire, je constate que j'ai échangé pendant les 30 minutes qui nous était, et un peu plus. Pendant les 30 minutes qui nous étaient réservées au président d'un parti politique et non avec M. le maire. C'est les deux à la fois. Pourquoi vous voulez que l'un laisse l'autre ? C'est les deux à la fois. Vous m'avez amené tantôt dans des questions politiques, tantôt dans des questions de maire. Je vous ai suivi. Hein. Est-ce que moi, je n'ai fait que suivre vos... Est-ce que le parti politique n'a pas pris le dessus sur le maire ? Non. C'est un maire qui est en train de parler. Maintenant, je voudrais vous dire que... Nous n'avons plus de temps. Le Mindeven m'a posé la question de savoir... Moi, je l'ai rencontré après son... Après son message écrit. J'ai dit au Mindeven, monsieur le Mindeven, est-ce que vous qui êtes ministre de la décentralisation, vous savez même que le territoire camerounais s'y est partagé entre le maire et l'État ? Les maires. Oui, les maires. Les 360 maires. Les 360 maires et l'État. Parce que jusqu'ici, on continue à donner l'impression aux gens que c'est l'État seulement, c'est-à-dire le préfet, le gouverneur. C'est faux. Le territoire camerounais, suivant la loi portant urbanisme au Cameroun, article 2, est une propriété, est gérée, co-gérée par l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Le législateur, s'il voulait dire, celui qui a la primauté, c'est l'État, il l'aurait dit. Or, il y a un principe général qui dit, qui veut mais que... Mais il y a l'ordonnancement. Quand le législateur... Non, il n'y a pas d'ordonnancement. Il y a l'ordonnancement, l'État et les collectivités locales. Non, non, il n'y a pas... Le « et » ici est inclusif. La primauté de l'État. Non, c'est terminé. C'est justement ça que la décentralisation est venue diluer. La primauté de l'État est consacrée par le Code général. Non, s'il vous plaît. La primauté de l'État, il n'y a pas de primauté de l'État. Pour cette c'est loi. La raison pour laquelle. Non, les communes ne sont pas les États dans les États. S'il vous plaît, permettez-moi, non. Ne mettez pas les Camerounais en déroute. Non, mais ce sont la pas les loi États dont dans je les parle États.
porte urbanisme au Cameroun. Mmh. Ce n'est pas la loi sur les collectivités territoriales. Mmh. Vous comprenez? Donc, elle n'attend pas le texte d'application. Et la Constitution dit que... Vous comprenez? La Constitution dit que le chef de l'État est garant de toutes les questions publiques. Mais vous constatez que le chef de l'État est élu, non? Oui. Vous constatez que les maires sont élus, non? Oui. Vraiment, je ne le comprends pas. Mais vous comprenez que ces forces-là sont tirées de la légitimité qui découle des élections. Merci. Merci à Séverin Assembé. Merci à Séverin Assembé. C'était un plaisir de partager. On va continuer à animer ce débat sur la mise en place de la décentralisation. C'est Paul Eric King qui l'indiquait. Dans quelques mois, nous allons célébrer une année, 365 jours du Grand Dialogue National. Et nous pensons, c'est en tout cas ce que le pouvoir a confirmé, que le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées est une émanation de ce Grand Dialogue-là. Maintenant, nous attendons sa mise en œuvre avec des textes d'application. Mettez en œuvre les textes. C'est un débat qui va se poursuivre. Nous n'avons pas l'intention de l'évacuer ici. Nous allons donc prendre la dernière dorsale de cette émission, juste le temps de permettre à Alain Gisin Kanga de prendre votre place, Henri Sévéra Sembé, pour la synthèse, le temps de revenir à l'homme politique. Vous êtes sorti par là. À l'homme politique, Eugène Schéma, Denis Omba, nous allons revisiter. Mais nous sommes obligés de revenir à cette question, la participation aux dernières élections législatives et municipales. Vous-même, il y a un instant, vous indiquiez que c'est faute de moyens que vous n'avez pas pu investir partout. Partout. Vous aviez des alliés. Il n'y avait pas que moi. Hein. Vous aviez des alliés. Vous aviez des alliés avant. Politiciens au Cameroun. Vous aviez des alliés avant cette. Avant ces élections-là, oui. Et vous nous avez révélé qu'il y a eu un accord entre vous pour que vous investissiez sans les avoir comme concurrents dans le bingo. On a l'impression que ça avait volé en éclat, mais finalement, les alliés ne sont pas arrivés aux élections. Vous pensez que si vous étiez avec eux en ce moment, à la tête de plusieurs communes, vous auriez pu vous faire bouger les choses? Oui, mais je vais vous dire un peu. Il y a quelques temps, je me définissais comme général en politique et l'autre comme caporal ou lieutenant, quelque chose de ce genre. Mais c'est ça précisément qu'on voit. Mais vous l'avez regretté au début de la campagne? Non, vous l'avez modifié. Je n'ai pas regretté. J'ai expliqué mon adhésion. Je n'ai pas regretté. J'ai expliqué mon adhésion. Vous comprenez? En réalité, les grandes revendications se font au sein des institutions. C'est pas dans la rue. C'est pas dans la rue. Encore que nous n'avons pas la culture des changements par la rue. C'est au Maghreb, là-bas, que si vous voulez 1000 personnes, 1 million de personnes dans la rue, vous les avez immédiatement. Nous n'avons pas cette culture. Je vais vous dire un peu. Le 6 octobre, quelques jours seulement après l'élection de 2018, nous avons fait une descente ici, à Longkap. Un candidat qui venait de dire qu'il vient de gagner. Nous étions 50, il y avait à peine 50 personnes avec nous. Monsieur Paul Eric. Nous avons, s'il vous plaît, nous sommes allés le 26 janvier à Douala, quand on arrête, quand on tire sur Ndiamène, il y a à peine 200 personnes dans la rue. Où un peuple ne prend un engagement fort et d'être fort, vous changez de stratégie. Vous dites, ok, nous irons dans les institutions, paralyser les institutions. Je vous assure, si nous avions 40, si nous étions encore ensemble, et nous avions 60 mairies seulement sur 300, et que les 60 mairies tournaient en même temps que moi là, personne ne demeurait au palais de l'unité. Est-ce que c'est parce que... Personne ne dormirait là-bas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont refusé d'aller aux élections que vous êtes mis à l'écart de parce que vous aviez déjà pris distance? Non, c'est parce que j'ai compris que M. Kanto ne vaut pas la peine. Si c'est ça que vous voulez, il ne vaut pas la peine qu'on fasse... Il ne peut pas diriger un pays. Je vous l'ai déjà dit. Attendez, je veux vous l'expliquer dans un livre. D'accord. On respecte ce point. Ne me faites pas parler de ces gens. On respecte ce point. Je veux plus... Il est une étape dans ma vie. Mais vous êtes dans une stratégie, donc. Je venais de passer 7 ans en prison. Vous êtes dans une stratégie s'il est une étape.
Vous avez dit plus il n'est qu'une étape. Vous avant êtes, lui, dans votre chemin, vous avez employé le mot que je suis mon chemin. C'est comme si vous étiez dans une stratégie. Vous êtes dans une stratégie. Vous espérez que votre chemin. Et pour la stratégie, Monsieur Kingé. J'espère que mon chemin m'amènera. Voilà. M'amènera où Monsieur Kingé, sur la stratégie. C'est Dieu seul qui sait. Sur la stratégie. Moi, je suis pas un ambitieux. D'accord. Sur la stratégie, je pose la question maintenant. Vous avez été emprisonné entre 2008 et 2015 pour l'affaire Conseil. Après, la Cour suprême, ayant constaté un certain nombre de vices de procédure, a décidé de vous relaxer. À un moment, quand vous êtes sorti de prison, vous vous plaignez beaucoup. Il y a des indemnités que vous demandiez à l'État qui se chiffrent en milliards. Non, disons que je voulais que l'État rapidement une décision. Ça a écroulé. Oui, 6 milliards. Après, ça tournait autour de 6-8 milliards par là. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu à ce jour sur les 6 milliards? Parce qu'à un moment, vous avez rencontré beaucoup de membres du gouvernement. On sait que vous avez eu un moment des facilités à la primature. Oui. Quand Motazé était SGPM. Notamment, je crois qu'il y avait des facilités qui vous avaient donné. Oui, Paul Motazé. Non, mais écoutez, fidèlement, vous me posez la question. Bon, oui, qu'est-ce que vous avez eu? Bon, allons, laissons les détails. Qu'est-ce que vous avez eu? Parce qu'à un moment, vous n'en avez plus parlé. Les discussions, je sors de prison quand Motazé est. Oui, Paul Motazé. Mais ce n'est pas lui qui est Premier ministre. Oui, c'est. À l'époque, c'est Philemon Yan. Tout à fait. Pourquoi vous mettez le nom? Bon, laissons le détail sur les noms. Qu'est-ce que vous avez eu à ce jour? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu? Allez arriver, mais comme vous ne voulez pas qu'on parle des noms. Une toute dernière question. Oui. Alors, tout le monde parle de transition. Quel est le meilleur modèle de transition que vous souhaiteriez espérer? Vous avez parlé de 86 ans plusieurs fois. J'ai senti à vous une envie de voir quelqu'un aller en retraite. Deuxièmement, on vous a aussi entendu dire que vous serez très proche de Cabral. Quel est le profil type de l'homme politique que vous souhaiteriez voir au Cameroun? Je n'ai jamais dit que je serais très proche de Cabral. Vous l'avez dit quelque part. Non, Cabral a envoyé un message de soutien pour ce combat sur les carrières. Le lendemain, les gars ont créé un compte Twitter en mon nom où ils insultaient Cabral, un peu comme si c'est moi qui répondais à Cabral par injure. Je suis sorti, j'ai fait un audio pour dire à Cabral que ça, c'est pas moi. Les gens ont créé un compte en mon nom. Donc, il était important que je recadre ça. Les scénarios de la succession. Maintenant, les scénarios de la succession. Mais c'est vous, c'est les sorciers là qui voient le gré à gré. Les sorciers. C'est pas vous savez que en, non, s'il vous plaît. En politique au Cameroun, il y a beaucoup de sorciers. C'est les sorciers qui voient le gré à gré. Ce qui va se passer dans ce pays, ça va être des élections. Ça va être des élections. Même si M. Biya venait à quitter la scène brusquement ou brutalement, on passera par des élections pour arriver à la succession. C'est votre souhait, en tout cas. En tout cas, c'est mon souhait. Parce que tout autre scénario nous amènerait à la destruction totale de notre pays. Vous comprenez? Au-delà de tout, ça reste quand même notre pays. Parce que si nous avons mis notre pays à feu et à sang, qu'est-ce qui restera? Qui allons-nous diriger en réalité? Moi, je souhaite, si tel sera mon destin, je souhaite que si je dois devenir président de la République, que je trouve tout ce monde vivant. Et les sorciers de l'autre côté, et leurs adversaires de l'autre côté, que tout le monde soit vivant, et que je sois le président de tout le monde. Ça maintenant, si on pense que... Vous avez créé les talibans, maintenant vous créez les sorciers. Bon, écoutez, moi je pense que ces gens ont fait leur petit cinéma. Ils racontent à qui veut les entendre que la succession va se faire de gré à gré. Non, ils disent qu'ils ne souhaitent pas que ça se fasse. Non. Ils ont dit qu'on est en train de préparer. Oui, est-ce qu'ils ne souhaitent pas donc? Mais non, mais qu'ils ne souhaitent donc pas. Non. Ils ne souhaitent donc pas que ça se fasse de gré à gré. Non, ils le soupçonnent les autres de voilà, faire une passation. Voilà, je dis qu'il faut être sorcier non, pour lire dans des tableaux non. invisibles le mode de transition dans ils soupçonnent, ils soupçonnent. Mais non. Et ils ne souhaitent pas que ça se passe de gré à gré. Et je dis, quand on comme vous. Quand on est suffisamment mature, en politique, on ne fonctionne pas comme ça. Merci Paul-Éric Kinguel. Nous avons largement grignoté sur le temps de Anani Rabien Bindi qui vient tout de suite après nous avec les tribunes, la tribune de l'histoire. Mais nous allons encore prendre 2 à 3 minutes parce que nous le savons succinct, Alain Gisin Kanga, pour nous restituer la synthèse de cette arène.
Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous. Bonsoir Paul-Éric Kingué. Vous avez commencé par préciser que l'État du Cameroun est passé d'État déconcentré à État unitaire décentralisé. Vous étiez en route pour Yaoundé au moment de l'empoignade entre les forces de l'ordre et vos adjoints suite à votre décision de sceller les exploitations de carrières. Le maire qui est le patron de la commune et quand bien même le préfet n'est pas d'accord avec la décision du maire, il doit le saisir sur ce qu'il concerne comme il est non. Sur la question de carrière, vous n'avez reçu aucune information du maire. La carrière Pousseline cristallise autant d'attention parce que il concentre tous les exploitants. Le conseil municipal de Diobé-Pendja a donné mandat au maire de renégocier les prix d'exploitation de carrière. Vous avez exigé entre 3 et 5 millions de francs aux exploitants de carrière. Le préfet que vous avez rencontré était au courant que le camion coûtait 722 francs CFA pour être de compréhension de la loi que vous avez. En 3 mois, d'après vous, le préfet a 30 personnes dans les carrières pour le moment de votre descente sur le terrain. Peut être ses responsabilités. Ce qui fait votre succès à Diombé-Pendja, c'est votre proximité avec les populations. Et d'après une étude que vous avez commandée, les carrières de votre commune valent 48 milliards de francs CFA l'année. Avec cet argent, vous offrir une maison à chaque habitant de Diombé-Pendja que vous avez évalué à 101 000 habitants. Pour votre quinquennat, vous voulez créer 1200 emplois. Vous pensez à créer d'ailleurs la première zone industrielle communale. Vous êtes choqué par le fait que le chef de l'État soit plus habile que le ministre des Mines. Le problème que vous posez concerne toutes les communes. Vous ne faites pas du populisme. Vous avez saisi le juge administratif pour savoir si le décret administratif peut être au-dessus d'une loi. Si la décision ne vous est pas favorable, vous pirez. Le territoire camerounais est co-géré par l'État et les collectivités locales. Pour vous, Maurice Kamto ne peut pas diriger ce pays. L'État vous le réserve dans un livre. Et pour vous, ce sont les sorciers qui voient le gré à gré pour vous, on passera par des élections. Et pour ce qui est de vos préférences, le show père de Diombé-Pendja, que vous êtes à une centaine de cravates et le choix de la couleur n'a aucune raison pour vous. Vous ne consommez pas d'alcool parce qu'à 9 ans, vous en avez pris un peu et vous avez dormi pendant presque une journée et demie. Vous prenez beaucoup de fruits, pas d'huile, pas de cubes, encore moins de jus gazeux. Vous n'avez pas tiré de leçons après avoir fait deux fois la prison. Vous n'avez pas de problème de conscience. On vous a arrêté la deuxième fois pendant que vous mangiez des beignets haricots parce que vous étiez attaché à Maurice Kamto. Votre séjour en prison a renforcé votre têtutesse, votre rébellion. Pendant votre premier séjour en prison, vous avez perdu votre fils et votre femme est partie. Vos talents de footballeur à l'université de Yaoundé vous a valu le surnom de Roger Mila. Vous avez un talent également de chanteur. Vous avez d'ailleurs été chef d'orchestre. Vous allez réagir à la fin. Et être directeur de campagne de Maurice Kamto est selon vous le plus mauvais choix de votre carrière. Pour les réactions. Oui, disons que c'est à 99% ce qui s'est dit. Je dis bien à 99%, vous avez mes félicitations, mais sauf que mes talents de footballeur, hein, c'est quand j'étais plus jeune, c'est pas à l'université. Vous comprenez, donc jusqu'en classe de 3e, je crois que j'ai remporté la médaille d'or au sucre. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait au sucre. En football, du littoral, j'ai remporté la médaille d'or au sucre à l'époque. Merci Paul-Éric Kingué, merci de vous être prêté au jeu. De la reine, vous êtes jeu. Ce n'est qu'un jeu qui vous permet de dérouler comme vous avez pu le constater de vous-même au courant de cette émission qui a
déborder un peu, 5 minutes, parce que parfois, l'adrénaline est un peu montée. Merci à Alain Gisan Kanga pour cette belle séquence. Merci Denis Oba. Merci Eugène Chema. Merci à Henri Séverin, à Sembe et à Delphine Foncourt qui sont passés par ici. Nous souhaitons bon retour dans la commune de Ndjombe Pendja qui a enregistré la nomination d'un nouveau caissier, d'un nouveau receveur municipal depuis ces événements-là. Et retrouvons-nous dimanche avec un autre client tout aussi sympathique que pour le Rikingé certainement. Mais ce sera toujours au Télérard d'Interview. Bonsoir.